Donc bonjour, bienvenue dans cet amphi pour la grande table ronde des directrices des sports. Alors on va dire des directeurs des sports. C'est bien qu'il y ait un peu plus de parité dans ça. Mais visiblement, c'est un métier qui, en tous les cas pour l'instant, est sur l'échantillon non représentatif des professionnels qui sont là, est un métier à devenir masculine pour l'instant. Alors avant de rentrer dans le détail, avant de vous présenter tous les intervenants qui sont ici, je vais laisser la parole à quelqu'un que vous connaissez forcément, parce que je crois qu'il officie, donne quelques cours ici. On ne présente pas Marc Bourris sur son parcours sportif et de directeur des sports. Il y a, pour flatter sa coquetterie, je vais insister sur le nombre d'années où tu as pu exercer dans le métier. Mais en tous les cas, voilà un regard un peu global sur cette fonction, directeur des sports, parfois directeur jeunesse et sports, ça dépend des collectivités. Voilà, Marc, si tu as le micro, je te laisse le soin de démarrer tes propos introductifs. Merci Marc. Alors, je voulais d'abord remercier les étudiants de Master 2 hein, qui ont organisé tout ça, et Boris, votre professeur, mon ancien étudiant en management du sport, comme un certain nombre d'ici. Et donc, il me revient d'introduire cette heureuse initiative de conférence en tant que grand témoin de ce qu'on appelle aujourd'hui un directeur de sport. Ça n'a toujours été le cas, puisque avant 1989, on parlait souvent de chef de service des sports. Et un chef de service des sports, en réalité, c'était un grade et souvent de catégorie B. Aujourd'hui, les directeurs des sports sont toujours de catégorie B. Alors, cette initiative aussi à Nicolas Derbach, qui est le directeur des sports de Caen-la-Mer, c'est un de mes anciens étudiants, un de mes anciens collaborateurs, et qui est passé par la filière MDS. À l'époque, c'était le DESS, filière sur laquelle d'ailleurs la ville s'est investie, puisque à l'initiative de cette filière, vous aviez Alain Noré, mais vous aviez aussi Christophe Durand et le maire de Caen, puisque la filière était bloquée. Et elle s'est débloquée au hasard d'une rencontre pour la création du Zénith, où Jean-Marie Giraud et Jack Lang se sont rencontrés. Il n'était pas ministre de la Culture, il était ministre de l'Éducation. Et si vous relisez Sport et Management, vous comprendrez la dédicace. Le dossier de DESS était bloqué à Paris, voilà comment ça a été débloqué. On comprend une collectivité peut aussi interférer sur les filières à l'université. Donc c'est une joie pour moi de retrouver tous ces directeurs des sports qui, sauf un, sont tous ou d'anciens collègues ou d'anciens étudiants ou d'anciens collaborateurs qui m'ont subi en tant que président du concours de conseillers, puisque quand le concours est sorti, à l'époque Caen était bien positionné nationalement jusque dans les formations, puisque le concours de conseillers se déroulait à Caen, et c'était la plus grande région de France, puisqu'elle avait Lille à Nantes, Paris y compris. Aujourd'hui, malheureusement, c'est plus le cas, c'est à Dunkerque et c'est à Rennes, ils ont fait ça en deux régions. Donc, nous sommes, pour ainsi dire, en famille, et donc je suis sensible à cette invitation, comme je vous l'ai dit, car je crois qu'on s'est tous un peu défoncé pour le sport à Caen, et je vois que la plupart d'entre eux, aujourd'hui, ont fait de belles carrières, et ils auront l'occasion tout à l'heure de vous en parler. Alors, le sujet qui nous intéresse est diriger un service des sports. Donc je m'adresse en premier lieu aux étudiants. Que pèse aujourd'hui, dans une économie occidentale, française notamment en proie au doute, le sport territorial? Vous savez que la première qualité des Français, c'est de ne jamais être content de leur cas, et sur le sport également. Mais sur le sport, en tant que directeur des sports, je vais vous resituer un peu le poids non négligeable que représente le sport territorial. Donc les derniers chiffres de sortie, les prochains devraient sortir dans 15 jours au ministère, un peu de retard. Donc sur les 35 milliards du poids économique du sport français dans les collectivités territoriales, les collectivités territoriales pèsent 10,65 milliards d'euros, dont 9,3 pour le seul bloc local. Le bloc local aujourd'hui, c'est les villes plus les intercos, 0,76 pour les départements et 0,59 milliards d'euros pour les régions. On a coutume de dire aujourd'hui qu'environ 60% du budget du bloc communal est concerné par les communes, soit 5,6 milliards d'euros, et 40% pour les intercommunalités, qui pèsent aujourd'hui 3,7 milliards d'euros. Les intercos aujourd'hui, c'est plus que les sponsors dans le sport français, c'est plus que l'État. En termes d'emploi, le sport en France aujourd'hui, c'est 219 000 emplois, dont 43 200 enseignants EPS, 3 300 en jeunesse et sport, et 49 000
dans le commerce d'articles de sport. Les collectivités territoriales, là aussi, sont le premier employeur en France, puisqu'elles regroupent 56 800 salariés. Certes, seuls près de 30 000 emplois appartiennent à la filière sportive, mais des ponts existent entre les filières. Il y a d'autres filières, la filière technique, la filière administrative, et la filière sportive, elle seule, c'est 30 000 emplois. Là, je vous ai donné les chiffres directement des gens qui sont salariés dans les services publics, mais c'est sans compter sur les délégations de services publics. Puisque aujourd'hui, de plus en plus, notamment dans les intercos, les grands équipements, parfois, ne sont pas gérants directs, mais délégués. Et là également, il y a une niche d'emploi qui va croissant et qui complète les chiffres que je viens de vous indiquer, qui sont des chiffres de fonctionnaires titulaires. Même si, parfois, dans les délégations, des titulaires peuvent être détachés. Il y a donc toujours de l'emploi sportif dans les collectivités. Les collectivités territoriales restent toujours le premier employeur du sport français, je tenais à vous le dire. Et même si avec les deux dernières années, les tensions fortes sur les budgets, pour le moment, les budgets des sports dans les collectivités territoriales n'ont pas baissé en fonctionnement, ça c'est personnel, même si dans certaines collectivités, il y a un tassement sur l'investissement. Alors, que signifie diriger un service des sports dans le millefeuille territorial ? Donc, c'est l'objet de la table ronde, qui est animée par mon ami Marc Thébault, qui est directeur des publications de Camp-la-Mer. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce le même métier quand vous êtes directeur des sports dans une petite ville, quand vous êtes directeur des sports dans une grande ville, quand vous êtes directeur des sports dans une communauté de communes, suivant qu'elle est littorale et qu'elle est toute l'année, ou qu'elle est plutôt dans les terres ? Est-ce le même métier quand on est directeur des sports d'une agglomération, d'une communauté urbaine, il y en a 14 en France, maintenant des métropoles, puisqu'il y a 9 métropoles qui vont apparaître. Est-ce le même métier directeur des sports d'un département, d'une région? Vous avez la chance d'une forte représentation du large spectre du sport territorial sur le sujet aujourd'hui dans la table ronde, et je ne doute pas de la pertinence de leurs remarques et de leurs expériences. Alors, ayant eu la chance de diriger pendant 13 ans, comme le rappelait discrètement Marc Thébault, donc de 89 à 2001, la ville la plus sportive de France, je vous donnerai mon ressenti sur le thème diriger un service des sports, mais également en tant que directeur général maintenant depuis plus de 10 ans. Il me semble que quand on dirige quelque chose, suivant l'échelle à laquelle on dirige, finalement, pour moi du moins, ce sont les mêmes principes qui nous animent. Donc je vais essayer de vous décliner ça en 6 items. Pour moi, diriger, d'abord, c'est donner. C'est donner beaucoup de soi, de son temps, de son énergie. Surtout dans un pays qui jalouse assez facilement ceux qui sont soit en tête de classe, soit en haut d'un organigramme. Faut pas rêver, c'est pas parce qu'on vous aura nommé directeur des sports demain que vous serez le patron de l'ensemble des équipes. Et vous allez gagner vos lettres. Et votre autorité aussi par tout ce que vous allez pouvoir donner à vos collaborateurs. Donc, pour moi, aujourd'hui, diriger, c'est d'abord donner aux autres. Deuxièmement, on ne peut pas diriger un service des sports sans aimer les gens. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qu'on ne voit jamais sur le terrain. Il ne faut pas s'étonner qu'au bout de 2 ans, ils explosent en vol. On en a connu à Caen. Il faut aimer les gens. Il faut aimer ses collaborateurs. Il faut aimer le travail bien fait. Il y a une relation affective aussi à la direction. C'est partager. C'est partager votre passion professionnelle, parce que diriger un service des sports, c'est une passion, un peu comme diriger un service culturel. Partager les lauriers. Moi, je n'ai jamais compris, et j'étais sûrement pas le plus en photo quand j'étais directeur des sports. Il n'y a pas de raison que ça soit toujours le directeur qui récolte tous les lauriers et les ennuie les collaborateurs. Donc, c'est aussi partager la communication, partager les réussites. C'est partager aussi ses responsabilités déléguées. Déléguer, c'est faire confiance. On ne peut pas tout faire tout seul, surtout dans les grosses organisations. Et la délégation, c'est tout un art. Et s'il n'y a pas cette relation de confiance avec vos collaborateurs proches, vous n'allez pas tout régler tout seul, c'est un travail d'équipe. Donc la délégation, c'est pareil, ça s'applique. Quatrièmement, c'est décider. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de dirigeants, mais peu de décideurs. C'est peut-être aussi pour ça qu'on est dans le mur sur pas mal de sujets. Il y a des parleurs, mais qui ne s'assument pas. Ils n'assument pas quand ça va mal, ils sont toujours présents pour être sur la décider, c'est un acte fort, c'est au sens noble du terme, décider pour avancer, pour réussir.
Et là, je distinguerai le grand chef du petit patron. Il y a beaucoup de petits patrons, il n'y a pas beaucoup de grands chefs au sens noble du terme. Diriger, c'est aussi amener vers un but, c'est la racine d'ailleurs du terme. C'est un but qui doit être partagé, on y va ensemble, et un but qui, même a priori, à mon sens, est inaccessible. Enfin, diriger, c'est toujours innover. Sinon, on finit par se lasser, et puis, comme disait la publicité, le monde bouge. On ne peut pas garder les mêmes structures pendant 30 ans, c'est pas possible. Le marché change, le marché des pratiques sportives, le marché des consommations sportives. Si on garde une logique de direction qui est la même pendant 30 ans, à un moment donné, il y a un problème. Par ailleurs, je pense que pour un directeur des sports, chaque collaborateur a un talent caché qu'on doit découvrir, faire émerger. Alors il pourra vaincre des montagnes. Parfois c'est long, mais je pense que c'est toujours possible. Toutefois, votre efficacité en tant que directeur des sports peut se heurter à la bonne volonté de la direction générale. C'est peut-être pour ça que j'ai franchi le pas, ou à la priorité politique plus ou moins forte sur le sport. Un directeur des sports, c'est quand même un élément d'un ensemble. Il ne siège pas toujours au comité de direction de la collectivité, rarement au comité de direction général. Bon, il est donc dépendant aussi de sa hiérarchie directe, soit un directeur général adjoint, soit un directeur général, et aussi la priorité politique. Alors c'est clair, moi j'ai eu de la chance, je n'ai pas connu ces obstacles là entre 89 et 2001, Le sport était pour Jean-Marie Giraud, notre maire, et nous tous, une religion, il faut appeler un chat, c'était une des grandes priorités de la ville. C'est plus facile d'être directeur des sports quand c'est la priorité. À l'époque, c'était avec la culture, le mémorial aussi, l'intercommunalité. Nous avons donc pu nous exprimer et vivre de grands moments au service des sports. Je pense que Nicolas Derulac a pu s'exprimer aussi à Caen-la-Mer, quand on était ensemble, ou François Boquet aujourd'hui dans la communauté de communes que je dirige. Pourquoi ? Parce que si la direction générale est forte, en plus pour elle, le sport est un élément prioritaire, c'est elle qui défendra vos dossiers dans les comités de direction générale. Donc vous êtes dépendant. Donc une direction générale, à mon sens, doit aussi être forte, notamment en France. Vous êtes dans une culture anglo-saxonne, vous n'avez pas ce problème. Parce que vous faites du sport, a priori, vous avez des qualités qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Mais dans la culture française, quand on vient du milieu sportif, malgré 50 ans de PS à l'école, il faut toujours se justifier. Le prof de maths, même si c'est un abruti fini, il n'a pas à se justifier. Parce que dans la culture française, c'est ancré. Dans la culture anglo-saxonne, allez-y, c'est très différent. Si vous êtes excellent en sport, vous irez dans les meilleures universités. En France, si vous êtes excellent en sport, il faut en même temps vous justifier dans les autres matières. C'est aussi pourquoi aujourd'hui, les sportifs de haut niveau sont souvent très bons à l'école. C'est le seul moyen qu'ils aient la paix pour faire du sport. Donc, une direction... Sauf les footballeurs, non, ça m'échappe. C'est un sport ou c'est un business? Donc, une direction générale doit être forte pour faciliter l'expression d'un directeur des sports. D'évidence, bien s'entendre avec le maire et le président, on dit que c'est un couple, mais aussi peser dans les décisions. Dans ce cas, la fonction directeur des sports est plus qu'un métier, c'est une passion. Donc, vous tous étudiants, ne soyez pas étonnés ou timides avec tous ces directeurs des sports. La plupart ont été à votre place et ont franchi le pas en acceptant le risque des responsabilités. Profitez de leur présence, de leurs expériences. Ils y croient, sinon ils ne seraient pas là. Et comme le disait Henry Ford, l'enthousiasme est à la base de tout progrès. Donc, gardez votre enthousiasme. Merci de votre attention et bonne année. Merci beaucoup. Oui. Écoutez, une introduction assez large et assez générale qui situe bien le débat et qui, même si les différentes qualités qui viennent d'être déclinées pour un directeur des sports, on doit pouvoir, j'imagine, se décliner pour des directeurs d'autres secteurs des collectivités territoriales. En tous les cas, pour les sports, c'est important de les régler. Alors, avant de démarrer un petit détail, je vois quelques écrans d'ordinateur, donc si certains soit sur ordinateur, soit sur tablette ou sur smartphone, essaye de live tweeter cette conférence. Je vous rappelle le hashtag à inscrire obligatoirement pour que tout le monde retrouve les tweets de cette conférence. C'est hashtag conf.mdf, vous l'avez en bas à droite, à côté du petit oiseau bleu. Voilà, alors, sept témoins qui ont accepté de prendre deux heures sur leur temps précieux pour venir échanger avec vous.
Je vais citer, alors, je vais pas le citer forcément dans l'ordre d'installation sur cette table. Frédéric Tellier, directeur des sports du Conseil général de la Manche. C'est vous. Olivier Aimé, directeur adjoint des sports au Conseil régional de Basse-Normandie. Alors, je dis sport, peut-être que votre titre, c'est aussi jeunesse et sport. Hein. Voilà. Et on se demandera d'ailleurs à un moment donné pourquoi c'est toujours jeunesse et sport, pourquoi pas le troisième âge et sport. Franck Wagner, qui est aussi en charge des sports avec la ville de Lisieux, c'est lui. Marc Delaunay, directeur des sports à la ville de Caen, je ne le cache pas, non, pas. Nicolas Débéac, du Montclair de l'agglomération Caen-la-Mer, directeur des sports aussi. François Boquet, directeur des sports à la mairie de Trouville, et si j'ai bien compris, en mission aussi pour l'intercommunalité Cœur-Côte-Fleurie, c'est ce que j'ai bien dit. Et puis Christophe Bachelot, directeur des sports de la ville de Ouistreham. Voilà, donc vous avez, quand Marc Maurice parlait tout à l'heure du millefeuille territorial, ben vous avez toutes les couches, les villes, l'interco, département, région. Voilà, on va pouvoir regarder les relations et les responsabilités de chacun. Alors vous vous doutez bien qu'en termes de temps de parole, ça va être difficile que vous tous vous exprimiez sur toutes les questions que je pourrais vous poser. Néanmoins, on va faire un petit tour de table que j'espère rapide. Je vais vous demander à chacun, de manière la plus synthétique possible, de présenter votre parcours. Alors restons bien sûr exclusivement professionnels et dans le sport. Je pense que vous avez en face de vous des étudiants. Est-ce que vous vous destinez, vous étudiants, à devenir directeur des sports en collectivité, oui ou non? En tous les cas, même si vous n'êtes pas en collectivité, vous serez peut-être un jour en club ou ailleurs. En tout cas, vous serez en relation avec des directeurs des sports. Alors, une fois de plus, je suis désolé de ce masculin qui a l'air véritablement de l'emporter sur le féminin. Pour vous consoler, on fera un jour un colloque sur les responsables communication des collectivités. Là, l'aspect féminin est largement dominant pour le plus grand plaisir d'ailleurs de la minorité masculine de cette profession. Et là, pour l'instant, il y a des garçons. Donc, on va commencer, pourquoi pas, par le Conseil général de la Manche. Votre parcours professionnel, comment êtes-vous arrivé à ce poste? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est pas très féminin. On est en train de chercher avec mon collègue, là où il y avait des directrices des sports. Cherbourg, bientôt. Cherbourg, exact. Donc voilà, mon parcours rapidement, je suis issu du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, moi je suis un fonctionnaire d'État, encore détaché territorial, plus pour très longtemps, je pense que je vais faire le choix intégré. Donc j'étais ministère de la Jeunesse et des Sports de 1999 à 2008, et depuis 2008 en poste au Conseil Général sur une fonction responsable de service sport-jeunesse. Avec une formation type MDS ou pas du tout, je suis un peu l'anomalie chromosomique peut-être du groupe, puisque moi j'ai une formation de droit et de sciences politiques. D'accord, le droit mène à tout, pour en sortir, tout va bien. Yuri, c'est réussi. Tout va bien. Bah, plus de vous faire, on va tourner. Bonjour, Christophe Bachelot, directeur des sports de la ville de Ouistreham. Moi j'ai un parcours un petit peu atypique, ça va être pêcheron parce que c'est vrai qu'on a des grandes collectivités ici. Ouistreham est une petite commune, pas loin de 10 000 habitants. Mon parcours professionnel, moi j'ai commencé comme brevet d'état de canoë kayak. J'ai intégré le corps des moniteurs de sport à la ville de Caen. Monsieur Louis, j'ai eu comme directeur. Et puis j'ai intégré la ville de Ouistreham en 2000 lorsque le responsable du service sport a quitté ses fonctions. J'ai postulé à l'époque en tant que responsable des sports et éducateur territorial. Et puis j'ai nommé directeur des sports assez récemment à la ville de Ouistreham. Merci. Bah, on va passer de l'autre côté, mais il y a encore la chance de voir. J'avais passé le micro à Nicole. Excuse-moi. Donc, un pur produit. Ouais, mais je suis un produit de la boutique ici. J'ai eu mon bac à Flers, donc je suis un petit gars de Dorme, donc je suis pas loin d'ici. Et donc, j'ai émigré à Caen, bien sûr. J'ai fait une petite année de transition sur cette Caen, mais ça va durer juste un an. Et après, je me suis inscrit à l'UFR STAPS en 95. Voilà, j'ai des cursus assez classiques de licence, maîtrise et DESS. Quand on arrive en DESS, on commence déjà un peu à réfléchir à ce qu'on va faire comme métier. Donc c'est à ce moment-là que je préparais le concours de conseiller des APS que j'ai obtenu en juin 2000.
Et donc, Marc disait tout à l'heure, il était à l'époque directeur des sports, il donnait des cours déjà aussi à la fac. Et c'est aussi des fois des histoires de rencontres. Le poste était, il y avait un poste vacant à la ville de Caen, et donc j'ai postulé et j'ai été recruté. Voilà, donc les choses sont allées très très vite. J'ai été stagiarisé au bout d'un an. Et j'ai fait 3 ans à la ville de Caen comme chef de service. Hein, à la ville de Caen, la ville est divisée en 4 secteurs géographiques. Donc il y avait un directeur sur Marc Bruys, 4 chefs de service de 4 secteurs. Et ensuite, Marc Bruys est parti à l'agglomération et j'ai suivi Marc dans sa valise à l'agglomération. Et je suis depuis 2003 donc chargé des sports à l'agglomération Caen. Voilà. Merci, Franck Wagner, Dieu. Votre parcours. Oui, bonjour. Mon parcours est un peu atypique, mais un parcours de sportif. Vous êtes déjà un peu moins sur 7, au moins 3, voilà. Avoir un parcours atypique, donc ça devient de la norme. C'est vrai, du coup ça devient la norme, en effet. Du coup, j'ai fait un petit peu des études dans différents domaines, mais pas le sport. Langues étrangères, un peu de sport, mais pas que, et une licence d'administration publique de manière à préparer les concours de catégorie A de la fonction publique. Dans le cadre de mes stages de fin d'études, j'ai eu l'occasion, en 93, de faire un stage auprès d'un directeur des sports à Saint-Malo, parce que je ne suis pas de la région. Et j'ai découvert ce qu'était le métier de directeur d'un service des sports. Et à ce moment-là, à la révélation, je me suis dit c'est ça que je veux faire, c'est ça qui est vraiment intéressant dans le monde du sport. Parallèlement, j'étais joueur de haut niveau donc dans un club de volleyball à Rennes, en première division. À l'issue de mes études, j'ai fait une petite tentative pour être joueur professionnel, qui ne s'est pas avérée très concluante. Et donc, je suis rentré par une petite porte à la direction du sport de la ville du Havre, où j'ai été pendant 2 ans. Ensuite, j'ai réussi le concours de conseiller des APS en 97. Oui, alors vous pouvez conseiller des APS, tout le monde sait ce que c'est. Demande d'explication dans la salle, non, tout le monde voit ce que c'est. Voilà, c'est, bon, c'est le concours de catégorie A de la filière sportive de la fonction publique territoriale, voilà, pour être clair. Et j'ai passé en même temps, à peu près un mois ou deux d'intervalle, le concours d'attaché territorial. Et j'ai eu les deux et j'ai été recruté à la ville de Caen, mais pas au sport. J'ai commencé aux affaires éducatives à la ville de Caen, donc je suivais les structures de loisirs pour les enfants et les jeunes. Et au bout de 3 ans, j'ai été recruté à la ville de Lisieux pour être donc dans un premier temps, pendant 12 ans, directeur du service des sports et depuis 1 an, directeur du service jeunesse, sport et citoyenneté. Voilà mon parcours. Un peu, voilà. Non, mais très bien. À vos côtés, la région. Hein. Oui, bonjour, François Bocquet. Donc, je fais partie de la majorité de nos parcours. Excusez-moi. Oui, oui. Je fais partie de la majorité des atypiques aussi. Moi, je suis un pur produit et du sport et de la fonction publique territoriale, puisque, un petit peu comme Christophe, d'ailleurs, nous sommes kayakistes tous les deux, nous étions connus à l'époque, je suis kayakiste et nageur. J'ai donc commencé avec des brevets d'État, premier et deuxième degré, et j'ai commencé à tourner sur mer comme maître nageur, saisonnier. J'ai planté quelques germes en espérant y rester. J'y suis resté, j'ai été éducateur pendant quelques années. Puis j'ai passé les concours de la fonction publique et c'est pour ça que je suis aussi un produit de la fonction publique territoriale parce que j'ai passé des examens professionnels et des concours. D'ailleurs, on s'est tous croisés à un moment ou à un autre, la plupart se sont croisés à un moment ou à un autre dans ces concours. Donc, concours d'éducateur en classe à l'époque, puis conseiller des APS, puis conseiller principal. Et j'ai été pendant plus de 10 ans donc directeur des services jeunesse, sport et loisirs de la ville de Trouville-sur-Mer. J'ai, dans cette période-là d'ailleurs, entamé une deuxième activité avec Petit Accessoire, comme on dit dans l'argent territorial, à la communauté de communes Cap-Haut-de-Fleury comme chargé de mission sport. Donc, il y avait deux gros projets d'équipement sportif communautaire. Et donc, j'avais été à l'époque missionné pour accompagner et suivre ces projets. Et je suis depuis 2 ans maintenant, et ça fait partie des évolutions de carrière qu'on ne choisit pas toujours, mais il y a des opportunités à saisir. Je suis maintenant donc, sur des fonctions de directeur général du coin, donc je dirige les services techniques et les services du cadre de vie. Alors ça m'éloigne évidemment du sport, mais c'est intéressant parce que les services techniques travaillent sur les équipements sportifs, et j'ai cette vision du coup
beaucoup plus périphérique et transversale sur l'impact du sport dans les collectivités territoriales, sur la politique territoriale. Mais j'ai quand même gardé dans mes services que je gère, le sport et la jeunesse pour garder un repère et une ressource. Voilà mon parcours. Merci. La région maintenant, Olivier Aimé, votre parcours. Bonjour, au conseil régional. Olivier Aimé, j'ai 36 ans, je suis à la région. Alors région, conseil régional, c'est la même chose, je dis. Hein, voilà, maintenant. Ouais. On a coutume de parler de région. Je suis à la région depuis décembre 2005. C'est mon premier poste. Et ma fonction a beaucoup évolué puisque je suis rentré d'abord comme chargé de mission. Donc, petit à petit, voilà, j'ai pris la fonction de directeur adjoint de jeunesse et sport aujourd'hui. Finalement, je vais être dans la norme puisque j'ai un parcours un peu tortueux aussi. J'ai une formation scientifique à l'origine, je disais tout à l'heure à vos enseignants. J'ai dû faire presque tous les bâtiments du campus 2. J'ai fait une fac de chimie. Donc voilà, dans l'amphi, là, je me retrouve un peu 15 ans en arrière. Fac de chimie, j'ai fait l'ENSI qui est à côté de l'UFR STAPS. Donc je suis ingénieur en matériaux à l'origine. Et après quelques difficultés, donc rassurez-vous si vous avez des difficultés d'insertion professionnelle, c'est finalement normal, je pense. J'ai repris un DESS ou Master 2 à l'UFR STAPS. Et en fait, tout s'est enchaîné à partir de là. J'ai passé les concours de la fonction publique, le concours d'ingénieur territorial, donc c'est l'équivalent du conseiller des APS, mais dans la filière technique. Et je suis rentré à la région qui crée une direction jeunesse et sport à cette époque-là, en 2005. Voilà. Et on termine par Marc Delaunay, ville de Caen. Voilà, Marc Delaunay, directeur des sports à la ville de Caen. En termes d'expérience professionnelle, toujours dans la communale et toujours strictement sur le champ sportif. Donc début de carrière à la ville d'Hérouville-Saint-Clair pendant 5 ans, responsable du service des sports. Puis 9 années d'expérience à la ville de Nantes, en Loire-Atlantique, d'abord sur une mission de coordinateur de secteur, également sur une direction des sports territorialisée, puis ensuite sur les fonctions de directeur adjoint à la direction des sports de la ville de Nantes. En charge de l'animation, de la planification et des manifestations sportives. Et depuis 4 ans et demi maintenant, presque 4 ans et demi maintenant, directeur des sports à la ville de Caen. En termes de formation, alors moi j'ai aussi une formation un peu atypique puisque j'ai fait des études de philosophie donc à l'UFR des sciences de l'homme de Caen, donc philosophie générale dans un premier temps et philosophie politique ensuite. Et rajouter également que ma construction s'est faite via ce cursus universitaire, mais aussi à travers énormément d'expériences dans le mouvement sportif, puisque j'ai été président de ligue, j'ai également été élu au cross dans les instances fédérales, et puis un pan également de mon expérience qui me sert encore énormément aujourd'hui, c'est tout le militantisme que j'ai pu avoir pendant une quinzaine d'années au sein des mouvements d'éducation populaire. Alors, une question, certains l'ont dit, mais pas tout le monde, mais pour être directeur des sports, est-ce qu'il faut être sportif? Est-ce que vous l'avez été? Est-ce que vous l'êtes encore? Ou est-ce qu'on a le droit d'être, pour ma part, un peu bedonnant et de regarder principalement le sport qu'à la télévision? Alors, réponds qui veut. Une obligation, peut-être pas, je dirais quand même que c'est conseillé. Boris parlait de passion, je pense qu'il faut un minimum de connaissances de l'organisation du sport, modèle d'organisation, et je pense pas qu'on... Enfin, c'est très difficile d'arriver à ce métier sans avoir soi-même pratiqué. Moi, mon expérience est assez significative, je suis plutôt scientifique, j'ai cherché à intégrer la fonction publique parce que j'ai cette fibre du service public. J'ai d'abord essayé d'intégrer la filière technique sur d'autres dimensions, et puis ça ne marchait pas. Et finalement, un jour, par mon expérience personnelle, associative, sportive, je me suis dit que je ne serais pas plus mauvais dans cette filière que dans la filière technique, et j'y suis venu. Maintenant, c'est vrai qu'on constate, qui fait des références dans l'introduction, il y a 57 000 postes, je crois, de mémoire, 30 000 issus de la filière sportive. On a un métier très administratif, donc on n'est pas obligé de faire du sport, mais c'est quand même mieux de le connaître tout le temps. Des avis convergents ou divergents? Je crois que ce qu'il faut se rappeler aussi de la construction de la filière sportive de la fonction publique territoriale, hein, au début des années 90. Quand la filière sportive a été créée, c'est parce que
on imaginait que le sport était une spécificité et que pour manager et encadrer un service des sports, il fallait il y avait des compétences et des enjeux qui étaient différents de ceux qui étaient dans la filière administrative. Voilà, donc c'est comme ça que cette filière s'est créée. Et que là, tu pratiques toujours? Alors, moi, le personnage, j'ai pratiqué 25 ans de rugby, voilà, à Flers, en Fédéral 3, et maintenant, bon, voilà, les pratiques sportives compétitives, c'est un peu compliqué à un certain âge, mais voilà, on fait de la pratique d'entretien. Oui, il y a des sections vétérans, donc différentes. Je pense que naturellement, il vaut mieux avoir de l'appétence et un centre d'intérêt pour la matière. On parlait tout à l'heure d'engagement, on parlait tout à l'heure de don de soi. Voilà, si on a un intérêt particulier pour la chose sportive, pour le sport, pour l'aménagement du sport, la dynamisation du sport sur le territoire, bien évidemment, ça renforce l'engagement qu'on peut avoir pour la chose sportive. Voilà, le risque, si vous n'avez pas d'appétence pour la matière sportive, c'est de vous transformer dans un rôle strict de gestionnaire, voilà, gestion administrative, gestion du personnel, gestion patrimoniale, gestion financière. Et bon, ça peut intéresser certaines personnes, mais on a au sein des directions des sports, des services ressources, des services moyens généraux qui gèrent tous ces aspects, qu'on qualifie plutôt de back-office dans les directions, voilà, gestion de moyens. En même temps, voilà, si on veut être engagé, donner de son temps, donner de soi, être en veille sur la sociologie, l'évolution des pratiques sportives, sur les préoccupations rencontrées par les différents utilisateurs, je pense qu'il vaut mieux avoir une expérience de sportif et une appétence naturelle pour le développement du sport sur le territoire. Très bien, enfin, j'imagine que dans cette salle, vous êtes tous pratiquants ou pratiquants de sport. Oui. Aucune difficulté, donc moi-même j'ai choisi la communication car je ne regarde le sport qu'à la télé, dont Saint-Étienne-Marseille hier, étant supporter stéphanois, s'il y a quelques Marseillais, je suis supporter de mettre dans la salle, 90 minutes plus 2, but de Brandao, égalisation de Saint-Étienne, ce qui n'était que justice. On va revenir au métier de directeur des sports. L'actualité pour vous aujourd'hui, si on retourne du côté de Tilleux par exemple, une actualité particulière sur votre agenda professionnel? Les élections municipales, peut-être. Oui, alors j'allais dire en dehors des élections municipales. Alors, disons que justement... c'est des projets en cours ou des investissements nouveaux? C'est pour ça que sous forme de blague, j'évoque forcément les élections parce que une année électorale, c'est une année particulière dans le cycle de vie, en tout cas, d'une collectivité, hein, quel que soit. Alors après, on n'a pas le même calendrier, hein, vous le savez, entre les communes, les départements et les régions. Mais c'est forcément un moment particulier. Alors, parler de projet, c'est un peu compliqué puisque justement, on arrive en fin de cycle et on va bientôt démarrer un autre cycle. Donc c'est important de le préciser. Pour nous, c'est une période justement où on finit éventuellement les projets du mandat. Et s'ils ne sont pas déjà finis, pour le coup, c'est mon cas, puisqu'on a livré un des projets majeurs du mandat il y a 3 ans maintenant. Qui est la salle multi-activité. Alors, je ne sais pas s'il y a des photos, puisque je ne vois pas derrière, mais normalement, il y a des photos qui étaient prévues, vous la verrez peut-être passer. Donc ça, c'était un des projets phares de la municipalité sur le plan sportif. Donc on l'a livré il y a 3 ans. Ce qui ne peut pas dire qu'on n'a pas d'autres projets, mais ils sont un petit peu moins significatifs en termes d'entretien du patrimoine ou de manifestations sportives. Maintenant, voilà, c'est la période aussi où on prépare pour les présenter ou pour en discuter avec le futur élu qui prendra ses fonctions au mois d'avril, tous les projets à envisager sur le mandat qui vient dans le domaine de compétences. Donc nous, pour le prochain mandat, il y a des interrogations sur les terrains synthétiques football et sur aussi un petit peu d'autres enjeux concernant les subventions, la répartition des subventions, la politique de subventionnement des associations. La répartition des équipements sportifs en fonction des différentes disciplines. Voilà, des sujets un peu techniques, ça fait pas rêver, mais ça fait partie aussi un peu de notre quotidien et ça reste, en tout cas, pour ce qui me concerne, assez passionnant à mener.
peut-être du côté d'un département, à Manche par exemple. Alors, on a l'impression qu'un département, c'est un petit peu plus loin que la pratique de proximité qui est en général le ressort des villes et des interco. Donc, un département, ça s'occupe de quoi en termes de sport? Et dans le mandat qui est en train de s'achever, puisque pour vous, c'est l'année prochaine les élections, des faits marquants, des grands projets menés? Alors, un département, ça s'occupe de quoi? Ça s'occupe déjà du s'il a envie de s'occuper, puisqu'on n'est pas sur les compétences obligatoires, il n'y a rien de réparti, de défini préalablement par la loi, donc on est bien dans un acte de volonté. Alors, pour ce qui concerne le département de la Manche, on a une volonté assez large de couvrir à la fois la formation des athlètes, ça peut aller aussi par mon collègue parler des équipements sportifs, même si effectivement on n'est pas connecté directement. On n'est pas gestionnaire d'équipement au niveau départemental, par contre on accompagne les projets d'équipement, donc ça veut dire aussi un travail d'ingénierie et puis une capacité à avoir la lecture des territoires. Et on évoquait à un moment donné le fait d'être sportif ou pas pour être responsable des sports, en tout cas il faut avoir une lecture, assurément dans les prérequis, avoir une lecture politique, pas forcément politique-politicienne, mais avoir aussi la conscience du rythme et parfois de la difficulté. On parlait de Marc-Louis parlait aussi du temps, le rapport au temps, quoi, quelque chose d'assez particulier lorsqu'on dirige un service des sports. Et nous, en termes d'actualité, la plus brûlante, celle de ce matin, moi, j'ai traité deux sujets. Une qui était sur la finalisation d'une cartographie justement des équipements sportifs pour pouvoir mieux accompagner les demandes de financement des territoires. Et puis une deuxième, et là ça va peut-être permettre de répondre aussi où se situe le département. Nous, on est vraiment l'interface entre ce qui se fait en territoire au plus fin, au niveau des communes, des communautés de communes, et de plus en plus, et on s'en satisfait, on se croise régulièrement avec Olivier Aimé sur un travail aussi coopératif, croisé, avec la région. Et là, le sujet en date, c'était de mettre en place un dispositif croisé pour l'aide à l'acquisition de minibus pour les clubs sportifs. Donc voilà, c'était les deux sujets brûlants du jour. Autrement, il y en a eu un très grand nombre. La question très forte en ce moment, c'est sur la vocation réelle du département à soutenir le haut niveau. Déjà, on n'a pas de club pro dans la Manche, peut-être un la saison prochaine en Rande, mais c'est vrai que c'est un sujet qui questionne beaucoup les élus et sur lequel ils sont parfois assez réservés d'aller. Ils sont beaucoup plus enclins à aller sur la dimension sport pour tous, diffusion maximum de leur pratique sportive dans les territoires, l'aménagement des territoires par les équipements sportifs et par le soutien aux structures de proximité. Et par rapport à la nature même géographique du département, des activités dans la voie, des soutiens des skippers ou... Alors oui, évidemment, ça en fait effectivement partie. On est en train de réfléchir actuellement sur ce qui fonde l'identité sportive du département de la Manche. On sait bien que la voie, la façade maritime, qui est la première ou deuxième, ça va être ce qu'on compte avec les Finistériens que je suis. Mais voilà, autrement, les sports équestres, évidemment, c'est aussi un facteur identitaire. Et puis nous, on a le cyclisme, qui est très très brillant chez nous. Mais on a vocation à soutenir l'ensemble des disciplines sportives. Un jour, on sera peut-être amené à faire des priorités, mais pour l'instant, on a encore à maintenir des moyens pour aider le sport dans toutes ses composantes. Alors, sur la région, on a encore une compétence qui peut être assez éloignée du terrain, peut-être plus en soutien financier, en subvention. C'est quoi la politique sportive d'une région? Très clairement, alors je vais un peu prolonger ce qu'a dit Frédéric, puisqu'on y reviendra un peu plus tard, mais très clairement, on ne fait pas le même métier. Mon voisin de droite, mon voisin de gauche et moi-même, on ne fait pas le même métier. Direction jeunesse et sport à la région, c'est 11 personnes. On est à peu près 4 sur le sport, 4 équivalents temps plein, 5 personnes. Ce qui veut dire qu'on est dans le faire avec. On ne fait pas en direct, on ne gère pas d'équipement, on n'a pas d'équipe sur le terrain, on n'a pas de logistique, ou très très peu. On met en place très peu d'événements, ce qui veut dire qu'on accompagne. On accompagne dans le cadre de dispositifs de subventionnement, donc finalement on a aussi une lecture du territoire au travers des grands événements. Alors l'année 2014 est particulièrement riche en sport sur tout le territoire. Est-ce qu'il faut parler des Jeux équestres mondiaux, je ne sais pas. C'est une évidence parce que c'est aussi une belle illustration des coopérations entre les différents acteurs du territoire. Mais on a aussi le 70e anniversaire du débarquement avec plusieurs événements sportifs qui se positionnent. On a le championnat du monde de kayak polo, on a le départ de la solitaire du Figaro à Deauville, l'arrivée à Cherbourg. Donc on a beaucoup de grands événements que l'on accompagne. Au-delà des subventions, et peut-être pour revenir à la question initiale, c'est la région, c'est aussi
une administration de projet. Je crois que, en l'absence d'un cadre légal sur lequel je pense qu'on reviendra un peu plus tard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétences définies, la région fait ce qu'elle veut, le département fait ce qu'il veut, les villes font ce qu'elles veulent, c'est une réalité, toutes les collectivités interviennent, mais chacun fait ce qu'il veut. La loi ne balise pas et ne nous dit pas ce que l'on doit faire. Je crois qu'on reconnaît à la région la légitimité pour rassembler les gens, pour les mettre autour de la table, pour se dire il faut qu'on discute et il faut qu'on travaille ensemble. Je pense que c'est la légitimité que l'on a. Et finalement, on a un peu trois projets qui illustrent ça sur le dernier mandat. Le premier, qui n'est pas celui qui coûte le plus cher mais qui est le plus symbolique, c'est l'instance régionale de concertation du sport. C'est quelque chose de très en vogue, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais c'est le contexte du sport évolue, l'organisation du sport évolue, il n'y a pas de loi, et aujourd'hui, le ministère, au premier rang, dit qu'il faut que ça s'organise au niveau local. Dans le cadre d'instances, on l'avait fait avant, donc c'est une petite fierté, ça fait 3 ans que ça marche, on travaille avec les services de l'État, le comité régional olympique et sportif, les échelons départementaux, les villes, voilà, plusieurs représentants sont ici, et finalement, on se rend compte, alors je vais dire qu'en Basse-Normandie, c'est peut-être pas culturel de travailler ensemble, en Bretagne par exemple, mais que finalement, dès qu'on met les gens autour de la table, il y a une vraie richesse et qu'on se rend compte que les problématiques, on a globalement tous les mêmes. Donc, premier projet très symbolique. On a 2 autres projets d'envergure, la création et la structuration d'un centre d'hébergement et de ressources pour les athlètes de haut niveau à Caen, structure qui n'existe pas et dont l'absence est pointée depuis 30 ans. Une structure qui sera implantée autour des lycées La Place et du Mont-d'Urville. Et puis le troisième sujet qui a beaucoup marqué les derniers mandats, c'est le site de l'ex-crêpe Fougat, que l'État a décidé de fermer en 2009. La région, en chef de file, là encore, s'est mobilisée avec le département du Calvados, avec la ville d'Oulgat, la communauté de communes et le mouvement sportif, pour dire que ce site doit perdurer. Le mouvement sportif en a besoin, les ligues régionales en ont besoin. C'est un équipement qu'on dit toujours structurant. Nous, ce qui mène notre politique, c'est l'intérêt régional. Quelles sont les actions, quelles sont les structures qui contribuent à dynamiser la région. Et donc la région s'est mobilisée pour maintenir ce site et les tendances sont plutôt bonnes puisque l'État annonce un transfert à l'euro symbolique au 1er janvier 2015, ce qui fait que la région va prendre la gestion de ce site d'ici un an. Et d'ailleurs, l'État annonce de loi, mais dans les perspectives, il y a un transfert des crêpes qui est annoncé aussi au 1er janvier 2015 vers les régions. Alors si on va du côté beaucoup plus du terrain, sur une ville alors pas si petite que ça à l'échelle du département, 10 000 habitants, Ouistreham, c'est quoi une direction des services des sports dans une ville comme la vôtre? Combien de collaborateurs? Une idée d'un budget que vous gérez à l'année? Ouistreham, donc un petit peu moins de 10 000 habitants en population permanente. C'est un budget de 2 millions d'euros à peu près de fonctionnement. 12 collaborateurs, 13 selon les périodes. Il n'y a pas d'éducateur territorial à Ouistreham. On fonctionne avec l'animation, l'animation en partenariat avec certains clubs sportifs. Le cœur de métier de directeur des sports à Ouistreham, c'est Marguerite le disait tout à l'heure, il faut aimer les gens, il faut aller. On est des hommes de terrain dans les villes communes. On est vraiment. On est très proche des clubs sportifs, donc on va voir évoluer les pratiquants. Donc le métier de directeur des sports de la petite commune, c'est gérer vraiment au jour le jour les installations sportives, coordonner les manifestations sportives le week-end, donc la saison estivale, les animations que la ville souhaite mettre en place aussi pendant la saison estivale. C'est vraiment un métier pendant lequel on va aller faire des gens au cœur de la population. Des projets particuliers qui ont été menés pendant ce mandat, ou en événementiel ou en investissement? Alors, les projets d'ordre de période de bilan, comme vous savez, on connaît, on arrive dans une phase où les élections vont arriver. Le bilan du précédent mandat, pour nous, c'est une petite piscine, puisqu'il y a un passage d'apprentissage qui s'est ouvert en 2009. Les projets à venir, on va attendre un petit peu comment ça évolue. Les manifestations sportives, on accueille régulièrement toutes les grandes régates, puisqu'elles passent obligatoirement par le club. Donc effectivement, on est à même de proposer des animations pour le passage de ces régates dans le monde extrême.
Merci. Du côté de Trouville, quels projets ont été menés sous ce mandat? Alors, le territoire de Trouville, Trouville-Deauville, parce que je vais faire un petit peu le débat sur Trouville-Deauville, parce qu'on a un peu les mêmes problématiques sur deux villes. Alors, Nano disait qu'elles étaient siamoises, mais pas jumelles. Elles ont des typologies identiques, d'ailleurs, sur des villes, des petites villes, hein, ça fait moins de 5000 habitants, mais elles sont toutes deux surclassées 20-40 000 habitants, parce qu'en fait, il y a une saisonnalité très forte. Ce sont des territoires qui ont été très riches, qui ont vécu avec une économie très forte des casinos. Depuis quelques années, c'est une économie qui est en train de s'essouffler fortement, puisque c'est moins 30% de chiffre d'affaires sur les casinos, c'est énormément de recettes maintenant pour les collectivités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les capacités d'investissement de ces villes sont forcément mises à mal. Et c'est là le jeu avec l'Interco qui est intéressant, puisqu'en fait, la communauté de communes a pris un petit peu le relais des collectivités pour développer des projets. Il y avait deux projets très importants, donc qui étaient le POM, ça verra quelques photos d'ailleurs, hein, qui était un ancien gymnase de Deauville, qui avait plus de 40 ans, qui était vétuste, commission de sécurité qui donnait des avis défavorables. Et puis il y avait un parc des loisirs qui s'essoufflait avec quelques terrains de foot, de football en gazon naturel, qui était inondé 6 mois par an, parce qu'on a envie d'avoir des gazons de football, des terrains de football en gazon naturel, qui poussaient dans un ancien marais, c'est évidemment très peu de jeux et beaucoup d'entretien. Et les villes n'étant pas dans la capacité de pouvoir développer ces projets, économiquement, mais aussi politiquement, parce que ça nécessitait une coopération intercommunale hors structure, puisque ça se faisait comme ça entre les deux villes, puisqu'elles étaient déjà partenaires sur la gestion de l'ancien gymnase. La communauté de communes a pris son vrai rôle de développement de projets structurants, de projets communautaires, c'est-à-dire qu'elle a pris en charge la réalisation de ces deux équipements, alors, réalisation et développement, c'est-à-dire la déconstruire l'ancien gymnase pour reconstruire un projet beaucoup plus ambitieux, puisqu'on est passé sur un équipement de 4000 m2. Là où il y avait 3 terrains de football en gazon naturel, on est passé à 5 terrains, dont 2 en gazon synthétique de dernière génération. Et dans un parc où on a multiplié les différentes activités pour la famille, pour toutes les catégories d'âge. Donc là, il y a eu des projets très forts qui ont été faits. Ces projets se prolongent aujourd'hui avec un projet à Deauville du tennis, de faire du tennis à Deauville de London, des voies de circulation douce, piétonne, équine pour l'équitation, le vélo aussi pour relier les différentes villes. Et en fait, ce développement communautaire fait que les projets municipaux sont un petit peu en sommeil, a fortiori, comme on disait tout à l'heure. Les élections font que, bon, ben là, on va attendre un petit peu voir ce qui se passe. Et puis sur le territoire de Trouville-Deauville, la difficulté de la capacité financière qui aujourd'hui pose question, hein, puisque quand on a plus de recettes des casinos, c'est diversifié l'économie. Quand on est sur des territoires comme ça, on est en bord de mer, on est acculé, on n'a pas foncier, donc on ne peut pas développer énormément. Le foncier coûte pas cher, hein, vous savez. Donc à un moment, c'est quand on ne peut pas diversifier les recettes, on essaie de trouver de la solidarité intercommunale, qui fonctionne plutôt bien. Donc le relais se fait plus au niveau de la communauté de communes, sur les communes de Trouville. Alors, mon voisin Nicolas, un projet peut-être de mots du stade nautique de Caen. Oui, avant de préciser quand même que quand la mer, c'est une commune de l'agglomération, c'est en soi juridiquement un statut qui est différent de tous mes collègues à côté. Hein. Ce n'est pas une collectivité territoriale. C'est-à-dire que je n'ai pas, moi, les compétences au niveau général de prudence. Je ne fais pas ce que je veux comme mes collègues. C'est-à-dire que moi, je ne fais que ce que la loi m'a donné la possibilité de faire. C'est-à-dire que j'ai des compétences obligatoires, et en l'occurrence pour le sport, c'est des compétences optionnelles qui m'ont été attribuées et qui sont inclusives. C'est-à-dire que ce que je fais, moi, c'est ce que ne font plus les autres. Voilà, c'est déjà une différence importante. Parmi mes collègues. Voilà, l'histoire de la l'agglomération, on est arrivé à un transfert des équipements sportifs en 2003, hein, sans que l'intérêt communautaire ait été réellement défini, puisque le législateur a laissé la possibilité à chacun de donner ses propres critères d'intérêt communautaire. Voilà, à Caen, ils n'ont pas vraiment été définis, mais les équipements ont été transférés en l'état.
et notamment la grande piscine du centre-ville de Caen, hein, qu'on appelle le Cénotique. Et c'est finalement depuis une dizaine d'années le projet principal lié à la restructuration et à la modernisation de cet équipement. Voilà, donc il a fallu convaincre les élus de la nécessité de cette restructuration. Alors, on se voit, si vous voulez, c'est un équipement qui date de 1966, donc c'était pas le plus compliqué. Peut-être le plus compliqué, c'était de démontrer que la restructuration apportera des avantages en termes pratiques, en termes d'offres de services publics, et aussi sur le plan des finances aussi, hein, c'est-à-dire qu'un équipement restructuré, on peut très vite démontrer que l'investissement s'amortit, puisque ce n'est pas, a priori, un équipement qui coûtera beaucoup plus cher. Donc voilà, et donc c'est aujourd'hui la fin d'une première étape, puisque ce grand équipement sera inauguré pour sa première phase dans un mois et demi, dans un mi-avril. Alors, je connais quand même un petit pas, mais ça, sans rentrer dans tous les détails, c'est un peu long, mais ça montre aussi la vitesse d'action des collectivités. C'est un dossier qui remonte déjà à 10 ans, 15 ans, peut-être. Oui, je vais me dire que le premier projet de restauration scientifique, c'est Marc qui l'a eu sur son bureau en 1989. Donc, c'est une longue maturation, le scientifique. Voilà, donc il ne s'agit pas de prendre cet exemple comme une généralité, mais le temps des collectivités n'est pas non plus le temps du privé, n'est pas le temps d'autres secteurs, et parfois, il faut du temps, surtout tous les 6 ans avec cette étape des élections. Alors, on va se tourner vers la ville de Caen, des réalisations, des projets d'investissement, surtout des subventions. C'était quoi le bilan qui a s'écoulé? La question initiale, c'était: est-ce que vous avez des sujets d'actualité au sein de vos collectivités? Alors, c'est quelque chose que j'aimerais bien vous faire toucher du doigt, c'est que c'est difficile pour un directeur des sports d'une ville comme Caen de dire voilà le sujet d'actualité, c'est-à-dire que l'actualité, elle est tout le temps, elle est en permanence. Week-end difficile encore, samedi et dimanche dernier. C'est bien pour vous vous représenter les choses. On a une astreinte qui a tourné à plein régime. C'est-à-dire, quand on est directeur des sports dans une collectivité, la communale, hein, la mairie, on est concerné par la température des douches, on est concerné par les organigrammes de clés, on est concerné par les vols avec effraction, on est concerné par... on dit traditionnellement qu'on est souvent en train de compter les couteaux et les fourchettes, mais c'est vraiment... si d'aventure vous vous destinez à cette profession, il faut bien distinguer le directeur des sports d'une région, le directeur des sports d'un conseil général, d'une interco ou d'une commune. À certains égards, je pense que c'est Nicolas qui peut-être fait un métier assez proche du mien. Un week-end comme celui-ci, c'est une fuite au Palais des Sports, c'est des missions de représentation à la patinoire, il y a un gala de l'Axel, j'ai fait un saut samedi après-midi. C'est aussi 2 ou 3 visites impromptues pour contrôler le travail de certains collègues dont les manières de servir laissent de temps à autre à désirer. Donc c'est véritablement ça, c'est aspirer par la quotidienneté des sportifs, des utilisateurs, et une omniprésence, et puis une présence de tous les instants. C'est ouvert le 1er mai, c'est ouvert pendant les vacances de Noël, c'est ouvert, ça vit toujours. Alors, l'important, et ça a été évoqué par Marc Bourris au début, c'est la capacité qu'un directeur des sports a à gérer la délégation. Voilà. Parce que le risque, c'est qu'on a aussi une direction générale et des élus qui attendent des directeurs une prise de hauteur, une vision un peu prospective, une vision pluriannuelle, un travail également sur l'évaluation des politiques sportives. Et quand on est directeur des sports d'une collectivité comme la ville de Caen, il faut absolument savoir déléguer, un travail difficile à faire, qui nécessite de la formation, qui nécessite un travail sur soi-même, beaucoup de capacité de discernement également, parce qu'on ne délègue pas de la même manière à chacun de ses collaborateurs. Il y a des collègues pour lesquels la confiance n'exclut pas de contrôle, donc il faut être en veille permanente et vérifier que les objectifs sont atteints. Voilà, donc c'est beaucoup la délégation, c'est beaucoup de discernement.
En tout cas, voilà, donc une fonction où on est régulièrement aspiré par le terrain, par la vie quotidienne des sportifs, et c'est le cœur du métier. Il faut que chacun puisse vivre son sport de la meilleure manière qu'il soit, et en même temps, une prise de hauteur, une élévation, voilà, en utilisant le levier de la délégation différenciée. Combien de personnes dans la direction des sports ? Un peu plus de 100, à la direction des sports, un peu plus de 100. Donc les trois filières, comme évoqué précédemment, hein, une filière technique, voilà, essentiellement c'est le gros des agents de la direction des sports, hein, une cinquantaine d'agents d'installation sportive, voilà, qu'on appelle plus vulgairement les gardiens de gymnase. C'est également des éducateurs sportifs qui sont aujourd'hui, donc là la filière sportive, qui sont aujourd'hui au nombre de 25, et le reste des chefs de service, des cadres de proximité, et puis également ce que j'évoquais tout à l'heure, le service ressources sur la gestion financière, RH, marché public, comptabilité, etc., de la direction des sports. Donc c'est un peu plus de 100 agents. En quelques chiffres, la direction des sports de la ville de Caen, c'est voilà, un peu plus de 100 agents, c'est 4 millions d'euros de budget de fonctionnement. Et puis, budget d'investissement, c'est difficile parce qu'on travaille sur une programmation pluriannuelle d'investissement. Donc, il y a des années où on est à 5 millions, des années où on est à 1 million. Donc, ce que je dois pouvoir vous dire là, c'est que sur la durée du mandat, là, 2008-2014, en intégrant les 3 millions d'euros réalisés au Stade Michel d'Ornano, on est à peu près sur 18 millions d'investissements sur les six dernières années. Alors, bon, vous avez le micro, on va aborder un autre sujet qui est forcément lié à votre quotidien. Donc quand on est dans une ville comme Caen, qui a... Alors est-ce que c'est une chance des équipes qui jouent en élite ? Alors je dis est-ce que c'est une chance parce que dans le passé, j'ai cru entendre parfois des collègues de notre club de sport qui voyaient dans chaque montée en division nationale l'enveloppe de subventions grossir et qui pensaient peut-être que c'était à un moment donné, surtout dans une époque où les finances des collectivités ne sont pas forcément extensibles à l'infini, des choix dramatiques à faire et se repose éventuellement le débat de sport de masse contre sport d'élite. Est-ce qu'on doit aider en priorité les équipes qui jouent ici en Ligue 1, là en Pro A, là en Ligue Magnus, etc. Quid des petites associations sportives. Donc voilà, comment on gère ça et est-ce que c'est pas un casse-tête chinois insurmontable de favoriser à la fois le sport de masse et à la fois d'être aux côtés du sport d'élite, du sport professionnel? Ça, c'est un sujet, le soutien des collectivités au club élite, c'est un sujet vraiment difficile. Voilà. Difficile parce que surmédiatisé. Difficile parce qu'on s'adresse à des personnes passionnées. Comment vous expliquer les choses par rapport à la façon dont on opère à Caen ? La difficulté, c'est qu'on a affaire à des interlocuteurs qui souvent sont monodisciplinaires. Voilà, donc vous avez un club de basket, vous avez un club de hockey, vous avez un club de handball, vous avez un club de foot. De football et la vision de ces différents interlocuteurs, elle n'est pas macro, elle n'est pas interdisciplinaire, elle est vraiment centrée sur une discipline. Voilà. Donc alors après, le débat c'est aussi on peut le poser en termes de critères, c'est-à-dire que qu'est-ce que le haut niveau, qu'est-ce que le très haut niveau, qu'est-ce que le sport d'élite. Donc tout ça c'est un travail de critérisation à réaliser. Après il y a aussi des disciplines individuelles, des disciplines collectives. À Caen aujourd'hui on n'a pas véritablement une démarche aboutie sur le sujet. Je pense que les collègues de la région ont été un petit peu plus loin sur la question, parce que c'est vrai que cette problématique du haut niveau, elle est peut-être aujourd'hui mieux appréhendée par les régions, voire les départements, que par les communes. Ce que je peux dire à Caen aujourd'hui, c'est qu'on essaye de retrouver du sens et des valeurs à la pratique du haut niveau. On l'exprime par trois termes, le terme d'ancrage territorial, le terme d'exemplarité et le terme d'attractivité. Donc l'attractivité, c'est l'image du territoire, voilà, essayer de renvoyer l'image d'un territoire fort, dynamique, ambitieux. Voilà, c'est quelque chose d'important dans les critères d'attribution de subventions au niveau. On est aussi sur la notion d'exemplarité. Alors l'exemplarité pour le sport de haut niveau, c'est quoi ? C'est la nécessité, du point de vue de mes élus, hein, de la mise en œuvre de leurs intentions, de leurs valeurs politiques, c'est la nécessité de conserver ce lien.
conserver absolument ce lien entre le sport professionnel et le sport amateur. Voilà, donc éviter d'avoir deux systèmes, un sport professionnel d'un côté, puis un sport amateur de l'autre, et toujours travailler sur cette relation, et ce qu'on appelle de façon plus générale les missions d'intérêt général. Donc c'est aussi avoir une exigence en direction des clubs de haut niveau, pour qu'ils aient une préoccupation sur cette notion d'intérêt général et de lien à conserver sous forme d'action, de popularisation, etc., avec le sport amateur. Voilà, puis ensuite la notion d'ancrage, bon, c'est un peu l'idée de travailler sur la formation. Voilà, on bosse pas mal avec la région sur le sujet pour essayer d'avoir, pour des raisons économiques, mais aussi des raisons... on va dire éthique, d'avoir des entraîneurs ou d'avoir des joueurs qui soient de purs produits cadets. Donc c'est la notion de fier d'être au Canet, puis la notion d'essayer de conserver au sein de la région, au sein des clubs canets, les jeunes ayant suivi leur cursus sportif sur le territoire. Alors, une question là ouverte, réponds qui veut. Ces relations avec les clubs et les associations, quand on est directeur des sports, comment on les vit? Qui est-ce qui décide? Qui est le chef? C'est eux ou c'est vous? Vous avez un pouvoir ou pas? Est-ce que vous êtes des simples hôteliers et le client a toujours raison? Ou est-ce que ça devient des partenaires? Voilà, c'est quoi le paysage des relations entre des associations, des clubs et collectivités? Oui, alors, je pense que ce qui est assez compliqué, c'est qu'on est dans une démocratie locale où la mission de la mission sport, elle est partagée en fait entre un élu, une adjointe, conseil municipal délégué, chargé des sports, et puis une direction des sports. C'est une fonction partagée avec un équilibre à trouver, c'est-à-dire que chacun, c'est une complémentarité. Alors, c'est pas toujours comme ça sur le terrain, parfois c'est pas toujours une compétence partagée, c'est parfois une compétence avec empiètement et parfois conflit. Dans les faits, avec les associations, on veut dire que les élus sont censés normalement travailler sur la politique, sur la définition de la politique sportive. Ça renvoie un petit peu d'ailleurs à la question initiale, est-ce qu'il faut avoir été un sportif pour être directeur des sports? C'est difficile d'avoir des échanges avec des dirigeants sportifs qui sont des bénévoles pour la plupart, donc des sportifs, si on n'a pas, enfin, on tient la légitimité aussi un petit peu par le parcours qu'on a pu avoir et par sa connaissance et sa sensibilité au sport. Je ne reprendrai pas ici ce qu'a dit Marc au début, mais enfin, voilà, partager sur des choses qui sont nécessaires dans le dialogue avec les associations. Dans les faits, les élus vont être beaucoup sur le relationnel institutionnel, c'est-à-dire souvent annoncer les bonnes nouvelles et ouvrir les équipements, essayer de trouver, apporter des réponses, notamment sur les subventions, puisque c'est soumis à un vote de l'Assemblée délibérante. Et le directeur des sports et ses collaborateurs vont être beaucoup plus dans la gestion quotidienne. D'ailleurs, on le disait tout à l'heure, s'assurer que l'équipement qui est mis à disposition est en état de fonctionnement, que les installations, que tous les équipements sont en place, que c'est propre. Donc il y a les fonctions de gardiennage, il y a les fonctions d'entretien, il y a les fonctions de disponibilité, il y a les fonctions de partage. Quand on fait un équipement, comme on l'a fait par exemple de 4000 m², il faut partager 5 activités simultanément, avec des problèmes de cohabitation, avec des problèmes de bruit, avec des problèmes de puisque chacun veut son cloud-house. Bon, aujourd'hui, pour essayer de faire un équipement le plus efficient possible, on va essayer de faire un clubhouse qui vont se partager. Mais du coup, on fait un peu d'arbitrage pour que chacun à son tour le prête et accepter le partage qui n'a pas toujours été dans les traditions. De surcroît, dans les villes où on était riches, où à chaque fois qu'un président de club demandait quelque chose, on lui faisait son clubhouse et on a multiplié les équipements. Aujourd'hui, on doit aussi les accompagner dans cette nouvelle façon de fonctionner et de partager. C'est un parti pris qui a été fait pour le POPS où on a eu deux grosses associations qui représentaient plus de 600 adhérents. Il a fallu leur faire accepter qu'on allait faire un équipement, un clubhouse par exemple, partagé. Ça a été compliqué, ça a été un long travail de négociation et c'est là que le directeur des sports qui connaît le sport, qui a pratiqué le sport, qui a fréquenté ce milieu-là, va être beaucoup plus crédible et pourra plus facilement faire passer ces idées. D'autres témoignages sur ces relations avec les clubs et les associations? Nous, effectivement, ce département de région, je pense qu'on aurait une problématique commune, c'est qu'on n'est pas connecté directement, mais pour autant, on peut subir une forme, on va dire, de pression par rapport à la notoriété de tel ou tel club. Et ça commence assez vite, ça n'attend pas forcément d'être rendu au niveau professionnel pour pouvoir exercer une influence locale assez forte. Alors après, est-ce que c'est un frein ou
ou un levier. De toute façon, la raréfaction maintenant des deniers publics fait que tout le monde s'est appuyé très fortement sur le tissu fédéral, qui était un tissu qui était un peu dont les clubs s'affranchissaient assez facilement au gré de leur notoriété. Donc nous, la manœuvre a été un peu compliquée, mais ça faisait aussi partie des enjeux. Marc évoquait tout à l'heure, le fait aussi de l'exemplarité. On est rentré aussi par la porte du projet sportif. Ce n'est pas qu'un projet sportif compétitif, mais bien qu'un club, quelle que soit la discipline, puisse être aussi exercer un rôle de formateur, puisse aussi avoir, à un moment donné, au département de la Manche, on a une hémorragie très rapide et un départ très rapide de nos athlètes parce qu'ils n'ont pas les structures club pour évoluer à des très hauts niveaux. Donc, tout l'appui sur le tissu fédéral, donc les comités sportifs départementaux et accessoirement les ligues, mais les ligues relèvent plus du niveau régional. Donc, on a établi des projets sportifs, on va dire globaux, au niveau des comités sportifs départementaux. Ça veut dire quoi, très concrètement? Ça veut dire aussi réhabiliter la capacité des comités à fédérer l'ensemble des acteurs, même des acteurs d'un certain niveau de notoriété ou de volume financier. Ça a été long, on parlait toujours du temps, mais ça commence à produire quelques effets et ça permet aussi de la mise en réseau dans des enjeux aussi de formation et d'émergence et d'accompagnement d'athlètes, que ce soit à titre individuel ou collectif. Donc nous, la relation n'est pas directe, mais quand même, on a quand même quelques effets de levier pour ce faire. Je vais faire rapide parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Si je veux avoir une vision idyllique de la relation entre le service et les clubs, je dirais que ça arrive sur certains projets. C'est un partenariat avec une compréhension mutuelle des enjeux et des intérêts de chacun, avec une volonté de faire ensemble. Si je veux avoir une vision négative, je force le trait volontairement. Le sport national et celui où on peut truster beaucoup de podiums et beaucoup de médailles, c'est râler. Il y a beaucoup de râleurs, comme le disait Marc, on est appelé un peu à droite à gauche pour gérer des petites bricoles et le français n'est jamais content, on va dire. Donc c'est difficile, on a l'impression de jamais pouvoir satisfaire les attentes. Et si je veux avoir une vision réaliste, en fait, c'est la confrontation pour moi entre la passion et la raison. C'est-à-dire qu'on a face à nous, et c'est là où l'intérêt d'avoir été sportif et donc d'être passionné également, c'est ce qui permet de passer dans la vision un peu plus idyllique du partenariat, c'est que justement, on a face à nous des gens qui sont passionnés, qui sont pour l'essentiel des bénévoles, qui comptent pas leurs heures, qui sont depuis des décennies parfois investis dans leur discipline. Nous, face à eux, on est un peu la raison. Donc en effet, comme l'a dit Marc, on a une vision un peu plus générale aussi un peu de gestionnaire. Donc il faut leur expliquer que parfois les horaires des agents municipaux ne sont pas extensibles, que eux, ce n'est pas forcément des bénévoles, ils ne peuvent pas passer des dizaines d'heures dans l'équipement sportif. C'est de leur rappeler qu'à un moment donné, voilà, il faut savoir fermer, il faut savoir partager, parce qu'il y a aussi d'autres usagers. Et donc, c'est plus notre rôle de gestionnaire, un petit peu, qui est confronté à celui des passionnés et des gens qui sont totalement investis dans leur association, dans leur discipline. Ton témoignage, Olivier ? Oui, je veux bien dire un mot, parce que je trouve que c'est un bon sujet pour illustrer ce qu'est notre quotidien et ce qui est aussi de notre responsabilité en tant que fonctionnaire. Je m'en explique. Il y a une tendance qui est une tendance assez générale autour de cette dimension partenariale. On n'est plus, on veut évacuer la notion de guichet. Le club ne vient plus, l'association ne vient plus, parce qu'on parle d'aide aux grands clubs, mais on aide 60 clubs, 60 grands clubs, on aide une centaine de grands événements, c'est à peu près le même phénomène. Ce sont des associations qui portent. On va sortir d'une logique de guichet pour aller vers une logique partenariale. C'est vrai à tous les niveaux, c'est vrai au niveau des collectivités locales, c'est vrai au niveau de l'État où il y a une volonté de sortir de la tutelle aussi de l'État actuellement. Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir conscience que notre rôle, et parfois c'est parfois de l'équilibre que je vais qualifier d'instable, je ne sais pas si ça se dit, mais on a des postes multidimensionnels. Il y a une chose qui a été évoquée dans l'introduction autour de la direction générale, on a une hiérarchie. Marc n'a pas évoqué la question des élus. On travaille tous avec des élus. Et c'est une différence fondamentale avec les services de l'État. L'État, quand il y a une décision, ça tombe en haut, ça tombe jusqu'en bas.
Il y a moins 10% sur un budget, moins 20% sur un budget, vous êtes fonctionnaire de l'État, vous l'appliquez point à la ligne. Quand on ajoute les élus, ça veut dire que potentiellement on a plusieurs chefs, plusieurs consignes, qui peuvent parfois être contradictoires. Voilà, parce que sinon c'est pas bon. Qui peuvent parfois être contradictoires. Et il faut accepter que quand on est au cœur de ça, alors on peut toujours se mettre au milieu, c'est un peu narcissique, mais on est toujours un peu au milieu d'un système, et on est parfois dans l'obligation de faire des compromis. Donc pour revenir à la question, vous avez un club qui monte, vous avez une enveloppe donnée, peu importe le montant, 500 000 euros, voilà, ou 100 000 euros, vous avez tant de structures à aider, il y en aura peut-être de plus l'année prochaine, je fais comment? Vous vous débrouillez, voilà, voilà. Mais votre rôle, c'est bien de chercher du compromis. Alors ça peut me rebuter au départ, moi je trouve que le fait que ce soit un peu instable, c'est aussi ce qui crée de la richesse. C'est-à-dire qu'on a des marges de manœuvre, on a des capacités de discussion, des capacités de dialogue, des capacités à innover. Et je veux revenir à un deuxième point, c'est comment on se positionne, nous, en tant que fonctionnaires. On a des élus qui décident, après, alors est-ce qu'on a du pouvoir ou non, c'est toujours une question, on dit toujours que c'est l'élu qui accepte et le technicien qui refuse. Voilà, l'action publique locale, c'est la capacité d'une équipe d'élus à travailler avec une administration, ça passe toujours par les deux. Le service public n'est de qualité que si l'équipe d'élus est capable de travailler avec l'administration, et vice-versa, ça ne marche pas comme ça. On a ce rôle, nous, en tant que fonctionnaires, et ce devoir, je crois, de... Je sais pas si Marc a employé ce terme à l'introduction, mais moi, je vais dire d'honnêteté, de transparence. Le dialogue, on reçoit un club qui monte, il y en a plusieurs, voilà, on explique nos contraintes de gestionnaire, et c'est dans le dialogue que ça se passe. Et globalement, quand on est transparent et qu'on explique les choses, ça se passe qu'à 99% très bien. Je pense que le risque commence... lorsqu'on s'appuie sur des critères trop arithmétiques, lorsqu'on cherche à cacher, voilà, on évacue la question, on a une demande, oui, non, je peux pas, mais je ne l'explique pas, là, les difficultés commencent. Et là où j'attire votre attention, c'est si certains d'entre vous se destinent à ce métier de fonctionnaire, technicien d'une collectivité, c'est quelle vision de votre action et de votre rôle ? Je le dis de manière très à l'aise, parce que moi, quand je suis arrivé instinctivement, alors que je n'avais pas forcément une formation pour ça, je suis arrivé dans l'esprit, un dossier de demande de subvention, c'est un dossier avec des cases à remplir, et il faut beaucoup de cases, plus il y a de cases, plus ça fait sérieux. Et finalement, à l'arrivée, il faut presque que le calcul soit automatique. J'ai tant de budget, je vais avoir 25,2%, voilà. Et j'ai un chef qui m'a dit non, le moins de cases possible, on écoute, on dialogue, et à partir de là, on décide. Et finalement, c'est là qu'on trouve de l'intérêt à son travail, et je crois que c'est là la richesse du service public. Voilà. Sinon, en gros, on ne sert plus à rien. On ne sert plus à rien, on a un tableau Excel, on remplit la case et on voit ce que ça sort à la fin. Alors, tu as démarré sur les élus. D'autres témoignages, ça se passe comment? C'est qui le vrai chef de service élu ou directeur des sports dans votre collectivité? Tu parles à Ouslam, par exemple. C'est assez simple. On a un élu qui est très proche. Alors, on parle des élus, effectivement. Plus la commune commence à de taille modeste. Et plus les élus vont être présents, parce que moi, il y a un fonctionnaire, et ils vont être très présents dans la commune. Donc, à l'extrême, ça se passe relativement facilement, parce qu'il faut avoir vraiment un rôle de dialogue avec l'élu qui est présent, comme je le disais, hein, qui va être présent sur les manifestations, qui va être présent dans les installations sportives toute la semaine, tous les jours. Et donc, le but du jeu, c'est vraiment un rôle de médiateur entre les problèmes qu'on va vous faire remonter en direct par le club, les problèmes qui vont être remontés aussi par les élus, parce que les élus sont présents, donc ils vont vous faire remonter les problèmes. Donc, il y a un rôle de médiateur, d'écoute et de service public qu'il faut bien avoir en tête. On est là pour que la pratique sportive s'organise de la meilleure façon possible. Et pour rendre la pratique sportive le plus facile pour tout le monde. Donc l'élu, il est présent, il faut travailler avec lui, il faut essayer de lui faire prendre les bonnes décisions. Le poste de conseiller, le grade de conseiller territorial des activités physiques comporte bien son nom. Il faut essayer de conseiller l'élu pour que lui puisse prendre les bonnes décisions dans tous les domaines. Alors, ça peut être pour des petits problèmes techniques, comme disait Marc tout à l'heure, hein, on est vraiment au quotidien. Amener à prendre des décisions ou régler des problèmes. Mais on sent que l'élu a besoin d'être conseillé, il faut être là pour lui faire prendre, en tout cas, les meilleures réponses possibles.
Est-ce que ça existe des élus qui ont des marottes en sport, qui parce que, soit par leur pratique, soit par leur famille, je ne sais pas, ne voient que par un sport et ont du mal à envisager d'autres pratiques sportives, ça existe ça? Ne citez pas de nom, Donc est-ce que, hypothétiquement, dans un autre pays, il pourrait arriver que... Bon, ce que je veux dire de manière plus sérieuse, c'est en quoi, comment vous pouvez influer sur une politique sportive menée dans une collectivité? Est-ce que c'est l'élu qui va la définir, ou est-ce que vous, avec une expertise, un regard, vous allez pouvoir, par exemple, sensibiliser à de nouvelles pratiques sportives? On a vu qu'à Caen, par exemple, il y a un club de roller derby. Est-ce que c'est du sport? Est-ce que c'est du spectacle? C'est d'abord du sport, mais est-ce que c'est pas un peu compliqué d'expliquer à des élus qu'il y a deux nouvelles pratiques qui arrivent et qu'il va falloir peut-être de nouveaux équipements ou de nouveaux créneaux d'utilisation d'équipements, peut-être de nouvelles subventions? Ça se passe comment pour de vrai dans la vie? Parce que les questions que tu poses, Marc, là, elles sont très intéressantes, elles sont cruciales, en même temps elles sont difficiles. Voilà, elles sont difficiles parce que un directeur des sports et un élu en charge des sports, c'est comme un couple, quoi. Voilà, donc c'est-à-dire que moi j'ai rencontré plusieurs adjoints en charge des sports et les fonctionnements ont été à chaque fois différents en fonction de l'adjoint, avec lequel je travaillais. Alors, ce qu'on lit dans les bouquins, c'est le directeur des sports, il contribue à l'élaboration de la politique sportive, il aide à la décision, voilà. Puis derrière, l'élu, parce qu'il a la légitimité des urnes, il décide. Voilà, donc on est dans un rapport. Alors, en tout cas, ça, c'est livresque. C'est ce qu'on lit dans les bouquins, dans les manuels. C'est le directeur aide à la décision. Voilà, il ouvre, il conseille. Éventuellement, il oriente, mais la décision finale, elle est prise par l'adjoint en charge des sports. Je crois que ça, c'est un principe auquel il ne faut pas déroger. Encore une fois, parce que la seule personne qui a la légitimité du vote démocratique, c'est la municipalité, c'est le conseil municipal, c'est l'adjoint au sport. Donc c'est un principe. On se doit tous, je pense, de se l'imposer à nous-mêmes. Et si on avait un rapport qui s'inversait entre un directeur des sports et un adjoint au sport, ça pourrait, à certains égards, et sur le plan démocratique, être un peu dangereux. Après, moi, j'ai pas un élu en charge de sport, j'en ai deux. Voilà. Alors, ça complique encore plus les choses quand on se rend compte, quand on discute, quand on échange. Voilà. Alors, on n'est pas forcément d'accord sur tous les points de vue. On a notamment, depuis 2 ou 3 ans, des points de divergence assez importants sur ce qu'on appelle aujourd'hui, en sociologie des pratiques sportives, le développement des pratiques hors club. Voilà, donc j'ai des élus qui ont une vie militante, et qui considèrent que l'association, à juste titre, hein, que l'association est la clé de voûte de l'organisation du sport sur le territoire. Moi, j'ai une vision, peut-être, à certains égards, entre guillemets, un peu plus... contemporaine, un peu plus libérale, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, où j'essaye d'expliquer à mes élus qu'au-delà de la pratique en club, il y a aussi des gens qui aspirent à pratiquer hors club, où ils veulent, quand ils veulent, avec qui ils veulent, des fois aussi pour des raisons de pouvoir d'achat. C'est quelque chose de très complexe, hein. Aussi peut-être parce qu'ils sont multipratiquants, pratiquants club, mais ils ont aussi envie à d'autres moments de la semaine de pratiquer, je ne sais pas, faire un jogging autour de la prairie pour des préoccupations qui ne sont pas liées à la performance, mais plus hygiéniste, sanitaire, d'esthétisme du corps, j'en sais rien. Donc des fois, avec nos élus, on a des points de divergence, on échange, on débat, et puis au bout du bout, c'est l'élu qui décide et qui tranche. Voilà. D'autres témoignages, ces relations? Oui, c'est effectivement ce que j'ai marqué le jeunet, c'est vraiment un problème de personne aussi, ça dépend de la personnalité à la fois de l'élu et du directeur des sports. C'est effectivement un binôme, maintenant il n'y a pas d'équilibre à trouver, dans l'absolu, il y a effectivement l'élu qui décide et puis le fonctionnaire qui suggère ou qui propose. Maintenant, quand un élu décide, il décide à partir de ce qu'on lui dit et à partir de ce qu'on lui propose, c'est aussi la façon dont on va présenter les choses. Je me souviens d'un de mes collaborateurs qui disait que quand il avait une bonne idée, sa plus grande chance qu'elle soit un jour, qu'elle aboutisse un jour, c'est que l'élu se l'approprie jusqu'à ce qu'il pense que c'est lui qui l'a eu. Et c'est pas complètement idiot parce qu'en fait. Ah, donc on rajoutera la modestie et l'humilité aux qualités. Peut-être aussi, mais c'est vrai qu'à un moment, l'élu peut avoir une idée, c'est pas un projet. Une idée, c'est très bien ça. Quoi. Mais derrière, il faut tout mettre en place, il faut tout construire, il faut développer, il faut financer, il faut
juridiquement le projet. Et ça, c'est le service des sports qui va le faire, soit les collaborateurs du service des sports. Et in fine, si c'est faisable ou pas faisable, c'est bien parce que les éléments qui vont être apportés par les fonctionnaires du service des sports auront permis de prendre la bonne décision. Prendre une décision, c'est le maire adjoint, s'il a cette légitimité démocratique de prendre une décision, il a besoin de s'appuyer sur des gens, sur des fonctionnaires qui vont l'aider à prendre la décision la plus utile. Parce qu'il y a des éléments, facteurs qui s'ajoutent aux éléments, je dirais, au fait que la population va demander quelque chose. D'abord, quelle est la part de la population qui va solliciter quelque chose, on parlait des pratiques nouvelles tout à l'heure. Finalement, l'opportunité ou pas de soutenir une nouvelle pratique, ça ne se mesure pas simplement au nombre de mains qui sont faits, ça se mesure aussi à des éléments financiers, à des éléments juridiques, à la pérennité aussi. Apparemment, on va investir dans une matériel. On a vu des pratiques se développer comme les skateparks. Il y a des skateparks qui sont devenus des friches, parce que c'était à la mode de faire du skatepark. On se rend compte que c'était une pratique urbaine, on a voulu sortir des villes, on leur a fait des skateparks parfois à l'extérieur des villes. Les jeunes ont dit, mais nous, c'est dans la ville qu'on veut, c'est une pratique urbaine. Donc, on a eu des friches après. Donc, il y a parfois des mauvais choix qui sont faits, parfois parce que aussi ça a été très impulsif, et peut-être pas assez nourri de réflexion stratégique que les gens de service des sports peuvent faire, parce qu'eux, ils sont aussi issus du monde du sport aussi. Du côté du département, moi qui viens de l'État, effectivement, c'est vraiment une particularité de la fonction publique territoriale, c'est ce lien à l'élu. Et Olivier en parlait, enfin, moi c'est vraiment un équilibre dynamique. On n'est jamais dans la stabilité, effectivement, au gré déjà des différents élus que nous avons rencontrés, et puis aussi au gré du contexte. Mais Marc Delaunay évoquait la notion de répartition, effectivement. L'élu est bien quand même le décideur, ça doit quand même rester l'élément aussi central on va dire, du travail. Et le technicien est celui qui va façonner, faciliter, donner à lire un projet politique. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas faire de l'angélisme. Il y a forcément beaucoup de perméabilité entre les deux champs. Un technicien qui n'aurait pas de vision, qui ne mesurerait pas les conséquences politiques par expérience, ce ne serait pas forcément dans son rôle non plus. Et celui qui conseillerait absolument un skatepark, quelle qu'en soit l'accommodation, parce que c'est un désir d'élu, à mon avis, ne serait pas non plus dans l'intégrité professionnelle. Et puis inversement, un élu qui pourrait être simplement au stade conceptuel, mais pas avoir l'écoute de la technicité d'un projet, ferait lui aussi fausse route. Donc c'est pour ça qu'on est toujours dans cette recherche aussi d'équilibre, d'échange, et c'est surtout fondé, je crois, sur un rapport qui est fondé, à mon avis, sur la passion, et puis sur le respect réciproque aussi des fonctions des uns et des autres. Là, une question un peu encore, que là je voulais dire en mot. Non, une question un peu en parallèle, enfin complémentaire de ça, c'est quel regard vous pensez que les élus posent sur le sport en général et sur les responsables sportifs que vous êtes? Est-ce que c'est caricatural de dire que par exemple un directeur de musée, quand il dit quelque chose, l'élu acquiesce, alors qu'un directeur des sports, l'élu discute? Comme s'il y avait peut-être un coup d'aura professionnelle plus forte du côté de la culture que du côté des sports. Ce que je viens de dire là, vous le vérifiez ou pas, ou non, vous pensez qu'on vous considère autant qu'un directeur de musée, qu'un directeur de théâtre? Je reprends le propos de Marc, c'est vrai que si tu poses des questions compliquées. Ça marche pas, ça. Non, plus globalement, on ne va pas s'arrêter à l'anecdote, mais est-ce que vous pensez que le regard professionnel d'un directeur de sport est attendu et reconnu de la part des élus, ou est-ce que même ça a évolué dans les différentes années, enfin, par rapport à votre expérience personnelle? Non, mais je crois que ce qui est important, c'est... Non, je crois que ce qui est important, en tout cas, sur l'échelon de l'intercommunalité, et c'est encore une spécificité de l'agglomération, c'est-à-dire qu'on a des élus qui sont au second degré. C'est-à-dire qu'on est ici autour de la table, moi je suis le seul qui travaille avec un élu qui n'est pas élu au suffrage universel. Hein, ça va changer au prochain décision. Ouais, voilà. évidemment, ça ne change rien sur tout ce que les collègues ont dit dans la relation cadre-élu, cette relation de confiance, jusqu'à potentiellement l'arbitrage politique, ça ne change rien, mais. J'ai à la fois des élus qui ne sont pas élus au soin universel, et pour autant, j'ai quand même
des actions de terrain que, dont on peut mesurer directement la qualité de service public. Voilà, quand on gère des piscines et qu'on a une piscine fermée, bon, voilà, l'élu est en prise directe avec ça. Donc à un moment donné, sur les échelons de territoire tels que les agglomérations, on réfléchit aussi sur la structuration et l'aménagement du territoire. À un moment donné, lors d'une précédente mandature, on avait imaginé que le stade nautique puisse se déplacer, puisse être construit ailleurs, en périphérie de la ville. Et à un moment donné, c'est un peu l'exemple de la friche, le skatepark en friche. À un moment donné, ces choses-là, ça se réfléchit, ça s'étudie. D'ailleurs, on va auditer un peu tous les usagers. Alors, cela, c'est facile pour beaucoup parce qu'on les a sous le coude puisqu'ils viennent, donc on les a. Ce qui est plus compliqué, c'est d'auditer ceux qui ne viennent pas. Alors, ça, il y a plusieurs méthodes, mais je ne suis pas un spécialiste, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et pour le statistique, moi, pour ce qui concerne mon projet, clairement, tous ceux qui ont été audités ont valorisé l'idée que le statistique devait rester au même endroit. La grande conclusion, c'était aussi de dire que le bassin olympique devait rester en extérieur, puisqu'à l'époque, on avait des coups de tout s'imaginer de couvrir le bassin. C'est-à-dire qu'en vrai, les grands choix qu'on fait, ils sont faits aussi sur la base un peu d'études un peu plus sérieuses pour mesurer un peu l'évolution des besoins, l'évolution des pratiques. Et c'est aussi comme ça qu'on avance dans le temps et qu'on est sûr, a priori, enfin, jamais sûr, mais qu'on fait les investissements qui répondent à une vraie évolution de la demande. Voilà. Mais bonne question, donc on va oublier la comparaison avec nos collègues de la culture. Voilà, donc. Non, si, si, voilà. Donc, oui, direction des sports, direction de la culture. Donc, moi, c'est pas un exemple anodin. Voilà, c'est pas un exemple anodin. Plus je gagne en expérience, plus je vieillis, moins j'oppose sport et culture. C'est vrai qu'en début de carrière, avec un tempérament un peu fougueux, quand on regarde les budgets, quand on voit les centres d'intérêt de certains élus, voilà, pour la chose sportive et la chose culturelle, c'est vrai que c'est un petit peu, ça peut être un peu crispant. Ceci étant, et ça a été dit en introduction, dans le secteur sportif, on est victime d'un certain nombre de représentations. Voilà, de cette représentation des gens, à distinction entre le corps et l'esprit. On entend des fois dire la culture est concept, le sport n'est qu'organisation, des choses comme ça. Donc tout à l'heure, je parlais d'élévation du niveau de jeu. Voilà, je pense que c'est aussi notre rôle de directeur des sports, en lien avec nos directeurs généraux adjoints, de bien expliquer que c'est pas que de l'organisation, qu'on a des préoccupations d'aménagement du territoire, on a des préoccupations de cohésion sociale, des préoccupations d'égalité des chances, on a des préoccupations d'attractivité. On travaille aussi sur les fonctions éducatives et sociales du sport. Enfin, il y a des enjeux sociétaux qui sont très très importants et pour lesquels le sport constitue un levier. Voilà, donc il y a toute une série de représentations, mais ça c'est culturel. À nous d'essayer d'élever un petit peu notre niveau de jeu et de montrer aux décideurs et à certains élus que voilà, il n'y a pas que du concept. Voilà, nous aussi, on ne gère pas que de l'organisation, on gère aussi des choses complexes. Voilà, même si culturellement, effectivement, la distinction entre le corps et l'esprit, on en est un petit peu victime. Et en tout cas, moi, je suis voilà, le corps, ça n'est pas d'échéance. Donc moi, je suis un militant de cette cause-là. Olivier, tu voulais dire quelque chose ? Oui. Il a tout dit. Voilà, mais votre réponse, alors, on va revenir justement sur cette expertise. J'aime bien cette notion de élever le niveau de jeu, parce que s'il y a bien une expression qui est raccord avec votre thème, c'est bien celle-là. Comment vous faites, par exemple, pour envisager les évolutions des pratiques? Comment faire un peu de prospective sur. Parce que quand on parlait tout à l'heure de la vitesse de décision, entre le moment où, dans une collectivité, on se dit « Tiens, il nous semble que tel sport ou tel équipement a vieilli, qu'il nous manque », et le jour où on va couper le ruban ou le blanc rouge pour les opérations, il va pouvoir se passer 5 ans, 10 ans, parfois plus, enfin, on va dire entre 5 et 10 ans, ça veut donc dire une capacité prospective non négligeable pour être capable de dire que dans 10 ans, l'équipement qui sera inauguré ne sera pas déjà démodé, mais sera toujours à la pointe
de l'utilisation. Alors comment on fait? Il y a un secret, il y a des techniques. Comment on regarde les usages, les besoins? Comment ça s'exprime? Comment ça vous remonte? Comment vous les voyez? Si vous me redites que c'est une question difficile, j'arrête. Hein. À volonté, je désigne. C'est le problème de la... C'est vrai, de la temps. C'est le problème de la temporalité des projets d'investissement et le problème de la temporalité. Voilà, c'est souvent une question de pari. Alors après, c'est une question de pari. Moi, le postulat que je pose, c'est comment a-t-on envie que la jeunesse vive ses passions. Voilà. Alors je m'explique, on a dans toutes ces pratiques sportives un peu émergentes, ces disciplines importées. Voilà, alors il y a la PTK, le paddleboard, le roller derby, enfin il y en a quasiment toutes les semaines de nouveau. Moi je pars du principe que bien vivre sa jeunesse, c'est vivre avec son temps et c'est vivre avec des moments, avec des activités éphémères, voilà, qui peuvent émerger puis disparaître. Voilà, donc, alors après évidemment quand il s'agit de créer des investissements relativement lourds, on y réfléchit à deux fois. Après il y a toujours une notion de pari, c'est-à-dire que voilà, est-ce que l'activité est phénomène de mode ou est-ce que c'est un phénomène social qui est amené à durer un peu plus dans le temps. Voilà. Après ça c'est en termes de ressenti, c'est en termes d'observation. On a aussi des activités qui connaissent un fort engouement puis disparaissent puis reviennent ensuite. Bon après voilà, c'est toujours un petit peu difficile de gérer cette temporalité des projets et puis cette temporalité de la pratique. Voilà. Moi, je fais le pari de la jeunesse et de la nécessité pour une collectivité de permettre à la jeunesse de vivre avec la mode et les activités du moment, quand bien même elles ne sont pas pratiquées par énormément de personnes. C'est aussi le sens du service public, voilà, le sens du service public que de porter et d'aider certaines disciplines assez confidentielles, leur permettre de se développer et de se dérouler sur le territoire. Si on n'en fait que pour le basket, le hand, le foot, le tennis, bon, c'est important, parce que là, ça renvoie à l'intérêt général, à l'intérêt du plus grand nombre. Mais on a aussi, je pense, le devoir de gérer et d'être attentionné pour les pratiques les plus confidentielles. Et je vous rappelle que dès demain, vous serez obligé de créer des aires de saut à la perche, non ? Puisque visiblement, depuis hier soir, c'est le sport que tous les enfants vont vouloir faire. Oui, je voulais ajouter que... Évidemment, il y a une notion de pari quand on fait un investissement, et surtout sur les gros investissements. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, les directeurs des sports arrivent à s'imposer aussi dans les projets dès le début de leur jeunesse. C'est-à-dire que, et c'était la raison pour laquelle j'ai travaillé pour la communauté de communes, c'était un moment que le milieu sportif soit représenté avant même que l'architecte commence déjà à tracer les plans. Il y a toute une phase qui est en amont avec une étude de faisabilité avec des pré-programmes, où au moment on va réfléchir à cet équipement et à son avenir. Et ça veut dire qu'on va aussi poser un certain nombre de conditions à l'architecte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les capacités techniques, les compétences techniques permettent aussi de faire évoluer un équipement. C'est-à-dire d'avoir un équipement qui va pouvoir évoluer en fonction des pratiques. C'est très sensible, par exemple, aussi au niveau des piscines, où on a des pratiques nouvelles qui se mettent, la quadrec, etc. Mais ça va faire quoi dans 10 ans la quadrec? C'est autant d'activités qu'on ne sait pas dans 10-20 ans. Ce qu'il faut, c'est quand on conçoit l'équipement, on pense à la reconversion de cet équipement. Comment on va pouvoir utiliser cette salle, comment on va utiliser le bassin, le jour où cette activité aura disparu, qu'il y en aura d'autres. Alors est-ce que c'est, par exemple, sur une piscine avec un fond qui peut... un fond modulable, c'est-à-dire qu'on va varier pour l'autre, ce qui permettra toujours de pouvoir faire une activité quelle qu'elle soit. Dans une salle, est-ce que c'est la possibilité de la cloisonner plus tard? Est-ce que c'est le choix des matériaux? Et je crois qu'aujourd'hui, pour moins se tromper, on peut encore se tromper, mais pour moins se tromper, c'est aussi d'anticiper. Et dans le travail en amont qui est mis dans le cahier des charges, c'est de prévoir toutes ces choses-là et de demander à l'architecte de réfléchir à cette capacité d'évolution. Ça a peut-être parfois un surcoût, mais ça coûte moins cher que d'avoir un équipement qu'on ne peut plus utiliser, ou sur lequel il va falloir remettre plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir le rendre à nouveau utilisable et pour de nouvelles pratiques. D'autres témoignages? Effectivement, c'est toujours difficile d'être en temps réel. Il y a, à mon avis, même un risque de vouloir suivre. C'est comme les politiques jeunesse qui veulent rester systématiquement jeunes. On est un peu dans le jeu de dupes, mais on a quand même des moyens, Paul l'évoquait, c'est aussi sur déjà lorsqu'on est sollicité pour l'équipement, vous êtes en plus en prise directe
Même nous, lorsqu'on est sollicité pour des financements, c'est bien interrogé aussi la phase diagnostique, d'être certain que le calibrage, le dimensionnement de l'équipement, il est aussi, il correspond aussi aux pratiques qui pourront s'y dérouler. Et puis l'avantage aussi, en tout cas moi, en ce qui me concerne, c'est le fait d'être sur un service des sports et de la jeunesse. C'est aussi de s'appuyer sur les politiques jeunesse pour expérimenter, accompagner éventuellement des pratiques émergentes qui, si ensuite elles trouvent un vrai dimensionnement où elles s'ancrent davantage sur l'ensemble du territoire, puissent trouver ensuite un écho dans le tissu fédéral. Donc c'est aussi de trouver cet équilibre-là entre les pratiques instituées, on peut dire un petit peu classiques, leur reprise éventuellement par le tissu fédéral, et puis leur espace d'expérimentation, là, on peut accompagner dans le cadre de politique jeunesse, quand, une fois de plus, on est sur une dimension sport jeunesse. Je vais interpeller Nicolas, peut-être pour témoigner sur des nouvelles pratiques qui sont par exemple à la piscine du chemin de verre ou à la patinoire. Ouais, quand je suis arrivé ici, j'étais très étonné qu'il y ait des soirées mousse dans une patinoire, des concerts de reggae dans une patinoire, ou des concerts de Nanticarbac à la piscine du chemin vert. C'est quand même très étonnant comme utilisation d'équipements sportifs. Ouais, c'est vrai. Ça marche toujours bien. Vous avez dit de ne pas toucher le téléphone, j'ai des nouvelles. Oui, c'est vrai. Alors la patinoire, c'est un peu particulier. La patinoire, on est dans une... Pour comprendre l'évolution de l'activité de la patinoire, on est dans une sociologie qui s'essouffle un peu. On a des pratiquants qui sont plutôt adolescents, voire jeunes adultes. Et c'est vrai qu'on avait un boom de la pratique dans les années 80. Et les années 2000, on a ressenti une baisse assez sensible de la fréquentation des patinoires en France. Et donc, c'est vrai qu'on réfléchit à des prestations visant à innover, visant à diversifier l'offre de services. Voilà, donc c'est dans cela qu'on propose un peu des choses un peu différentes, un peu alternatives. Des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. J'ai l'exemple du karting thermique qu'on avait mis en place sur la glace le mardi soir et on s'est trompé, voilà, ça n'a pas fonctionné. À côté de ça, on sait qu'on met en place des activités dont on est sûr qu'on va faire fonctionner l'investissement par régime. Quand on fait de l'aquabike récemment dans les piscines, on sait qu'on ne peut pas l'investir, on sait qu'on n'investit pas grand-chose, quelques aquabikes, et on sait derrière qu'il y a une énorme demande sociale derrière ça. Donc voilà, on sait qu'on ne prend pas trop de risques. Si j'élargis même plus globalement, c'est vrai qu'en France, on n'est pas forcément les meilleurs dans l'innovation, dans l'idée d'innover des nouvelles tendances. Et donc finalement, en regardant ce que font les pays à côté de nous, on peut s'orienter sur ce que vont être les tendances. Voilà, par exemple, quand je prends le milieu des piscines, aujourd'hui, toutes les nouvelles piscines se construisent avec un espace comme en forme, sèche, humide. En Allemagne, ça fait juste 30 ans qu'il y a de la remise en forme sèche, humide dans les piscines. Quoi. C'est comme ça depuis même plus de 30 ans. Sur les matériaux aussi, les matériaux en piscine, les piscines en inox. Cologne, ils ont rénové leurs piscines en inox dans les années 80, ou début 90. Et la première piscine en inox en France, c'est Saint-Laurent-de-Mur, c'est, je crois, 2005 ou 2004. Voilà. Donc, voilà, on a un petit temps de retard, souvent. Et donc, si on regarde chez les voisins, on peut peut-être déjà un peu prendre la tendance. Après, on vous passera la parole. Donc, préparez vos questions. Vous avez quelques minutes pour préparer des questions à poser, des réactions aux intervenants. Après, sans aller discipline par discipline, mais on voit bien les tendances là pour. On voit bien les tendances sur le sport santé, ça c'est une évidence, donc il n'y a pas de prise de risque pour les 10 ou 20 prochaines années. On voit bien aussi le développement du sport senior, voilà, hein, le mieux vieillir, sortir de l'isolement, etc. Donc tout ce qui touche à la marche nordique, toutes ces activités un peu émergentes, donc là c'est pareil, il n'y a pas de prise de risque. Voilà, donc en fait, avant de parler discipline par discipline, c'est des tendances, et là aujourd'hui on voit bien que c'est impulsé par le ministère, on voit bien que le sport senior, troisième ou quatrième âge, on voit bien que le sport santé aujourd'hui, c'est pas un phénomène de mode, c'est quelque chose qu'il va falloir accompagner ces deux ou trois prochaines décennies. Après, parce qu'on est aussi là pour ça, je voulais vous
faire toucher du doigt, on est là pour parler de nos métiers, puis vous donner une bonne représentation. Vous êtes tout à l'heure, il y a des concerts dans les piscines, mais dans les collectivités, ça va faire sourire certains de nos collègues, mais les seuls gestionnaires de gros volumes, voilà, c'est les directeurs des sports. Donc effectivement, il y a des soirées dans les piscines, mais moi, là, on me demande un gymnase pour accueillir un régiment d'anglais dans le cadre du 70e anniversaire du débarquement, quand il faut aussi réquisitionner des équipements pour le plan grand froid parce qu'il a neigé et les routes sont impraticables, ou des familles de Rome que le préfet demande de reloger, ou encore des palettes de propagande électorale, etc., parce que les élections municipales. Voilà, donc un directeur des sports, c'est aussi ça, c'est ça gère des grands volumes. Voilà, les gymnases 40 par 20, les 800 mètres carrés avec 6 ou 7 mètres, et régulièrement, au-delà de la chose sportive, parce qu'on est au jus, parce qu'on est vraiment sur le terrain, en tout cas dans les communes, on est régulièrement interpellé pour mettre à disposition ce type d'équipement. Et je passe les soirées loto organisées par certains clubs et la nécessité de déclasser les équipements parce qu'on est sur des ERP de type X. Voilà. Et puis quand on fait un loto, c'est pas du sport, c'est plutôt à vocation festive. Donc il faut passer par le service ERP et puis reclasser et monter des dossiers et payer comme ça. Voilà, c'est ça, pas pour vous décourager, mais c'est ça aussi notre quotidien. Voilà, donc voilà, la parole est à l'amphithéâtre maintenant pour soit revenir sur des points déjà abordés, soit pour poser d'autres questions. Alors je vais y aller du traditionnel, la première question est toujours la plus compliquée, donc c'est Boris qui montre l'exemple. Bonjour, merci déjà pour la qualité de vos échanges, et pour le coup j'ai plein de questions. Je vais peut-être poser la plus violente de suite, comme ça elle sera passée. Dans quelle mesure est-ce que vous êtes, votre poste, votre emploi, est-il dépendant à très court terme des élections? Est-ce qu'il y a, pour le dire très clairement, est-ce qu'un changement de maire peut affecter... Vous pouvez couper la caméra, il va dire tout. Fallait la poser, Marcel, aussi, non? La deuxième question, c'est peut-être plus particulièrement pour Nicolas. On terminait la table ronde sur les questions d'innovation. Il n'y a pas longtemps, enfin, depuis peu, la piscine des Romis Saint-Clair, qui dépend donc de Caen-la-Mer, ouvre à 7h30 le jeudi matin. J'ai testé, j'apprends que j'aime bien. Mais pour le coup, comment, d'un point de vue concret, est-ce qu'on peut mettre cela en place? C'est-à-dire, qui a eu l'idée? Comment est-ce qu'on discute avec les agents pour leur dire, le jeudi matin, il faudra peut-être que tu sois là non plus à 9h, mais à 7h15. Alors, sur la première question, avant de répondre sur la première question, j'en demande un peu. En gros, sur la première question, qui a préparé clairement les cartons. Clairement, en tout cas, je pense pour le dire pour tout le monde ici dans la table, on n'est pas sur le poste fonctionnel. Donc, a priori, on n'est pas sujet au changement politique. Bon, après, derrière, si la relation dont on parlait tout à l'heure, cadre-élu, fonctionne mal, voilà, après, il y a des choses qui s'orientent et qui évoluent, mais concrètement, on n'est pas sur des postes fonctionnels. Voilà. On n'est pas directeur général ou directeur général adjoint des services. Donc, ça, c'est un premier point. Oui, on peut juste dire, peut-être pour élargir le débat, qu'il n'y a pas forcément toujours du tout le système en France, que même s'il y a des alternances politiques, le côté chasse aux sorcières est un temps un peu révolu, et qu'à part des postes très spécifiques, comme ceux qui viennent dire, ou au cabinet, peut-être à la com, mais en tous les cas, dans les services en général, c'est pas le grand ménage, parce que le fonctionnaire, avec son propre réserve, lui, il est là pour travailler avec n'importe quel élu. Voilà, sur, la matinale de la piscine, moi, ça m'est venu en allant à Paris, où aujourd'hui, les Parisiens font leur jogging aquatique avant d'aller bosser. Donc, ça se fait des yeux très bien. Ça se fait toujours pas à Paris, et c'est vrai que ça se faisait pas sur Caen, pas trop non plus en province. Et finalement, c'est un peu le métier d'un directeur des sports. C'est-à-dire que quand on est convaincu de l'attrait d'une évolution, un directeur des sports, c'est celui qui est capable de créer les synergies autour de lui, c'est celui qui est capable de défendre des projets, c'est celui qui est capable de créer des synergies, de créer des volontés, de créer de l'envie autour de lui. Et après, finalement, derrière, quand tout le monde partage cet enthousiasme, les choses s'organisent assez naturellement. Les agents ne font pas plus de 35 heures par semaine. Voilà, ils les font différemment dans la semaine.
Et j'ai envie de dire que pour un grand nombre d'entre eux, finalement, c'est la mise en place de ces matinales, ça les arrange, personnellement. Voilà. Donc, je crois que c'est ça aussi, un directeur des sports, c'est un pilote. C'est quelqu'un qui est un chef d'orchestre, hein, pour le prendre l'exemple de la culture, c'est celui qui est capable de créer les synergies autour de lui et de communiquer son enthousiasme. Ça, je trouve, c'est vraiment important. Voilà, on est sur un vrai sujet, c'est comment le service public s'adapte à la demande sociale. Voilà. Alors après, moi, je voudrais pas vous dresser non plus un tableau idyllique, hein. Voilà, parce que dans les grandes collectivités, il y a aussi une forme d'inertie, voilà, difficulté à changer des organisations ancestrales. Voilà, donc ça passe par sans doute une démarche managériale par objectif. Voilà, beaucoup de travail de communication interne, beaucoup de démarches participatives actives pour essayer de donner du sens. Voilà, aux collègues, expliquer pourquoi il y a nécessité de revoir l'organisation, de revoir les missions, de revoir l'amplitude du travail pour adapter l'ouverture des équipements à la demande sociale du moment. Mais ça se fait parfois, quand même, il faut dire les choses, dans la crispation, dans un contexte de dialogue social difficile. Voilà. Mais bon, voilà, c'est aussi, je pense, un enjeu pour demain, c'est la capacité du service public à être réactif, voilà, et à pouvoir adapter son organisation à la demande sociale. De toute façon, je pense que c'est l'une des conditions sine qua non, voilà, pour qu'il essaye de redorer son image et puis continuer à traverser les époques. D'autres questions de la salle? Oui. Je fais le test, d'accord. Bonjour à tous. On n'a pas parlé de l'État. Comment vous travaillez avec les services déconcentrés, des AJS, des DCS, etc. C'est déjà d'ailleurs particulier de travailler avec mes anciens collègues, mais évidemment avec une autre entité. Donc au moins, comment dirais-je, les stratégies de contournement qui peuvent se jouer ici ou là, j'arrive pas à les dire. Comment on travaille avec l'État? Là, je vais parler que du département de la Manche, hein, et puis aussi quand même le lien qu'on a avec la direction régionale de jeunesse et sport. Nous, ce sont des liens étroits, de plus en plus étroits. Alors, ça se traduit comment? Une fois que j'ai dit ça, j'ai dit OK. On a des réunions communes, des objectifs communs, et on est même en train de travailler sur un conventionnement commun, sur certains comment dirais-je, enjeux partagés. Donc, les liens sont existants. C'est pas forcément vrai dans tous les départements, là où j'étais avant, dans le Morbihan, c'était chacun chez soi. On était plutôt là, sur des logiques concurrentes, et on se croisait que très peu. Mais j'ai envie de dire, là aussi, on a de plus en plus d'espace pour pouvoir confronter nos orientations. Et puis, je crois que l'époque de l'État tutélaire s'éloigne de plus en plus. Donc, de toute façon, les moyens, même tendus, sont quand même de plus forts maintenant. En collectivité, je parle bien au moins en ce qui concerne l'échelon départemental, qu'au niveau départemental, donc on a forcément intérêt à bosser ensemble, d'autant plus qu'on s'appuie sur les mêmes acteurs. Et normalement, on devrait avoir beaucoup les mêmes objectifs, même si on n'a pas tout à fait le même fonctionnement. Au niveau des communes, les missions de l'État dans le domaine du sport ont vraiment évolué en 20 ans. On est beaucoup plus maintenant sur, puisqu'il y a eu des missions de formation, l'État était formateur, l'État faisait le contrôle, faisait l'accompagnement, du financement. Aujourd'hui, la principale mission qu'avoir les collectivités, ça reste une mission de conseil et action coercitive, hein, ce contrôle de l'État, en fait, hein, qui s'exerce sur l'action des collectivités. Donc, beaucoup d'accompagnement, heureusement, un petit peu de coercitif de temps en temps, il le faut aussi, hein. Mais par rapport aux communes, ça reste une relation beaucoup moins forte qu'elle n'a été à l'époque. À construire, voilà, les moyens de l'État étant beaucoup moins forts. Les moyens humains de l'État, il faut savoir que la direction de jeunesse et sport, il y a 20 ans, avait 4 fois plus d'effectifs qu'elle en a aujourd'hui. C'est-à-dire que ça peut mener toutes les missions, mais les collectivités ont un petit peu pris le relais. Elles ont créé ce partenariat région, département, commune, peut-être aussi pour suppléer. Sans compter tout le transfert qui a été fait auprès des privés. Beaucoup d'actions ont été externalisées auprès de prestataires privés, je pense notamment là à la formation.
effectivement une illustration pour voir aussi ce qu'on peut être produit comme travail commun. Alors c'est vrai que le rapport de force financier est de 1 à 50, 1 à 100 en faveur de la politique du voyage travail. Et donc là il n'y a pas l'enjeu, mais on a travaillé récemment, on sait bien qu'il y avait, une directive commune pour faciliter aussi la question des dossiers entre le CNDS et le dispositif contrat d'objectif. Donc on a réussi, ce qui n'a pas été forcément simple, mais à mettre en place un outil commun et un dossier commun. Voilà, dans des exemples très concrets aussi de ce qui peut être conduit, comme le moment de convergence. Alors, je ne sais pas si je peux compléter, mais sans rester dans une vision trop idyllique, globalement, on travaille bien ensemble. Le dialogue s'est installé. Moi, ici, j'ai la chance d'avoir des élus qui ont envie de travailler avec l'ensemble des acteurs, les niveaux départementaux, les villes et l'État. On sent un État aujourd'hui vraiment prêt à coopérer. Alors, est-ce qu'il est prêt à coopérer parce qu'il se sent très fragile ? Peut-être, oui. On sent quand même qu'il y a une fragilité des services de l'État. Un ministère, plus de ministère, un ministère avec la santé, un ministère avec à nouveau la jeunesse et l'éducation populaire, tout ça est un peu difficile pour les personnels. On le sent, pour autant aujourd'hui, il y a des signes tout à fait tangibles d'une reconnaissance de l'action des collectivités de la part de l'État. Ce qui n'était pas tout à fait le cas avant, on a eu des États un peu plus virulents, un peu plus violents. Aujourd'hui, il y a plusieurs signes qui le démontrent, à commencer par la tendance autour du CNDS. Alors le CNDS, j'imagine que vous connaissez, le financement du sport, le financement classique du sport, qui est géré par l'État, des fois co-géré avec le mouvement sportif, on ne sait plus très bien, enfin, en tout cas géré par l'État avec le mouvement sportif. Aujourd'hui, on nous annonce prochainement la possibilité pour les collectivités locales de voter au CNDS, c'est-à-dire de prendre part à la gestion du CNDS, là où actuellement nous sommes invités pour aller voir ce qui s'y fait. Je vous parlais du transfert des crêpes, voilà, c'est aujourd'hui une reconnaissance de la capacité, de la compétence des collectivités sur le champ du sport. Maintenant, que va devenir l'État ? Il y a une bonne illustration que je vais me permettre de donner, c'est, je vous parlais de l'instance régionale de concertation du sport, donc qui réunit l'ensemble des acteurs du sport en région, et la plénière se réunit chaque année en décembre. D'ailleurs, j'en profite pour associer l'université, si vous le souhaitez, participer à ces travaux. Il y a des rendez-vous prochainement dans les tuyaux, notamment des étudiants, si vous voulez venir assister à cette plénière. Et au moment de cette plénière, il y avait une table ronde qui évoquait la relation des clubs entre les clubs et les collectivités locales. On était en plein dans le sujet, la table ronde était menée par mon voisin de droite, en lien avec le directeur des sports de la ville de Falaise. Et au cours de cette table ronde, il y a une question, c'est aujourd'hui, si un club ou un bénévole veut monter un projet, veut monter une association, veut enclencher quelque chose, à qui s'adresse-t-il ? La réponse qui est tombée, c'est à la ville. Et mon directeur, alors, certains peut-être le connaissent, mais voilà, qui est un ancien de Jeunesse et Sport, un historique de Jeunesse et Sport, lui ça l'a frappé parce qu'il a dit, il y a 20 ans, tout le monde aurait dit qu'on s'adresse à Jeunesse et Sport. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, on s'adresse à la ville. Voilà. Donc je pense que, je suis un peu trop jeune pour peut-être moi le percevoir, mais je pense que cette tendance-là, elle illustre aussi ce que disent les acteurs qui connaissent le mieux le sport, finalement, je pense que ce sont les responsables du sport des villes. Je vais vous remercier.